Mais que c'est beau. Je me coupe du coup. Qu'est-ce que vous faites là? Vous foutez le camp? Oh, c'est pas vrai. Foutez le camp, j'ai dit! Je vais pas la garder. Elle casse décidément beaucoup. Je vais pas la garder, chérie, bien sûr. Puis alors, dis donc, elle choisit toujours son moment. Mais mon cœur, chérie. Allez, debout. Déjà? Ben oui, ma puce. Oui, mais t'étais si inspirée, t'étais plus un biquet, tu sais, t'étais un lion. Toujours le samedi, tu as remarqué. Je croyais que tu me désirais davantage devant tes clients. Mon assistante, vous vous en doutez pas, hein? Ben, c'est ma maîtresse. Remarque, il faut être fou pour ne pas s'en douter. Tu me diras, c'est leur cas. C'est vrai, mais cinglé, il me faut apprécier ton bel équilibre physique et mental. Je te désire en semaine, je te le prouve le samedi. Tu continueras la preuve à devine. Oh non, allez, viens. Oh, mais si, écoute, il est 3 heures. Allez, moi, ma valise est faite, hein? Pas toi. Allez, hop. Oh, mon chéri, ne me bouscule pas, je déteste qu'on me bouscule. Bon, passe ta blouse, il faut que j'appelle l'autre folle. Et c'est une primaire à tabou multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une fille d'un principe. Laetitia! Monsieur! Et en plus, ça s'appelle Laetitia. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, Laetitia, c'est votre première semaine dans cette maison. Alors, le samedi, je pars toujours en week-end, donc pas de consultation, donc vous ne recevez personne. Je vois pas qui je pourrais recevoir, je connais personne à Paris. Mais non, je parlais pour moi. Mais mademoiselle! Mademoiselle ne sera pas là non plus. Ah bah oui, elle part en week-end avec monsieur. Non! Oh, elle part pas. Mais si! Mais c'est pas la peine de le dire. Si on vous demande, vous dites mademoiselle n'est pas là, après c'est tout. Bien! Non, pas mademoiselle, hein? Madame. Voilà. Vous m'appelez madame. Bon, je veux bien, mais monsieur m'a dit d'appeler mademoiselle. Non, dans mon cabinet, devant les clients. C'est un client, mademoiselle. Mais ici, devant les invités, vous dites madame est servie. Ah, d'un côté de la porte c'est mademoiselle et de l'autre c'est madame. Voilà. Va. Et si un client est aussi un invité? Non, ça n'arrivera jamais. Je n'invite pas mes clients. Je suis pas fou, moi. Mon week-end. Viens, monsieur le psychiatre. Oh là 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 là. Non, pas... Alors, écoutez, appelez-moi docteur, tout simplement. Hein? Même devant vous? Oui, même devant moi. Oh, et de deux côtés de la porte? Mais pour moi, il n'y a pas de porte. Ah, alors, je dois dire le docteur est servi. Non, vous dites monsieur est servi. Quand vous dites madame est servi, c'est compliqué. Allez me chercher ma valise, arrêtez de discuter comme ça. Oui, monsieur le docteur. Oh, ben non, mais faites attention, écoutez. Pardon, mademoiselle. Madame. Oui, mademoiselle. Madame. Oh, mais... Elle est complètement idiote. Mais tu vois, elle me repose de mes fous. Faut dire, mon biquet, que si nous étions mariés, tout serait plus simple. Écoute, mon amour, je vais quand même pas t'épouser pour faire plaisir à la bonne. Ouh, mais moi, j'en connais qui vont beaucoup plus loin pour faire plaisir à leur bonne. Ils vont jusqu'à l'épouser, la bonne. Elle a de la chance. Oui, mais après, il faut qu'il tombe une autre bonne, c'est ça. Voilà la valise du docteur. Mais ça va pas, non, vous? Vous pouvez frapper à mon entrée? Oui, monsieur. Sortez. Oui, monsieur. Elle m'énerve, non, je vais la virer, elle m'énerve. Elle m'énerve. Bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce que j'emporte à Deauville? Moi, mon biquet. Oui, mais seulement pour se marier, il faut d'abord divorcer. Et puis toi, si tu ne divorces pas, c'est pas pour ménager ta bonne, mais une tante. En plus, qui est même pas la tienne, t'es celle de ta femme. Non, mais c'est aussi ma marraine. Oui. Mes parents avaient oublié de me faire baptiser. Je suis né dans une famille de distraits. Et c'est ma marraine qui m'a tenu sur les fonts baptismaux le matin même de mon mariage. J'ai été baptisé à 10h, marié à midi. C'est dommage que t'aies pas gardé ce rythme-là pour le divorce. Oh, c'est pas vrai. Mais la publication est prête, c'est l'affaire de quelques jours. Tu parles. Ça fait quelques mois que c'est l'affaire de quelques jours. Et tout ça pourquoi? Parce que nous sommes devant une femme qui tremble devant sa tante et un homme qui tremble devant sa femme. Mais non. Et ben résultat, la tante ne sait toujours rien et le divorce attend. Et puis moi aussi, ça m'énerve. Écoute, je t'ai déjà dit, ma marraine est une femme absolument... Très riche. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est une femme. Oui, formidable. Ah, oui. Oui, je sais, tu l'aimes plus que ta mère. Non, pas plus que maman, mais au moins autant. Et on peut cesser d'aimer sa femme et continuer d'aimer sa tante. Ce mariage, c'était l'œuvre de sa vie, tu comprends? Je vais pas la poignarder dans le dos. N'oublie pas que c'est grâce à elle que j'ai pu acheter mon cabinet de psychiatrie. Oui, et puis que c'est elle qui possède la majorité de tes actions. Oui. Et qu'elle peut te virer d'un moment à l'autre. Oui. Oh non. Je suis quand même devenu le docteur Bertrand Germina. Non, mais je veux l'aménager, tu comprends ça, chérie? Je veux l'aménager. Je sais, j'ai compris, faut amortir la chute. Voilà le mot que je cherchais, voilà. N'empêche, c'est fou, elle doit dans l'œil. Quand ça? Un lion comme toi n'est pas fait pour une petite chèvre de province. Chérie, puisque la petite chèvre de province, comme tu dis, broute de son côté depuis 6 mois, et que le lion a trouvé sa lionne. De quoi te plains-tu? Mais que la petite chèvre, elle saute jamais le pas. Elle le saute, chérie, elle le saute, enfin. C'est bien toi qui as eu son avocat au téléphone, d'accord? Il t'a bien dit que Nadette est partie voir la tante à voler mon slot. Oui, mais la tante, elle n'y est jamais à voler mon slot. Elle va acheter son fric aux 4 coins du globe. Eh ben, c'est pour ça que c'est dur de lui parler. Qu'est-ce que tu veux? Elle est jamais là. Oui, bon, écoute, Nadette sera de retour le week-end prochain. Je te jure que le week-end d'après, nous serons divorcés. Ouais. Alors, ne gâche pas celui-là, qui était si bien commenté, hein?
J'ai besoin de me détendre. Oui. Bon, toi, allez, on fait la valise, on ferme, il a tout vu. Qu'est-ce que vous faites là? On a sonné. Mais pas l'ouvrir. Je vais la virer, je vais la virer, celle-là. On a sonné. Tu as entendu? Bah, moi aussi. T'as pas allé ouvrir? Bien, mademoiselle. Madame. Oui, mademoiselle. Oh, Laetitia, portez-moi ma valise, elle est dans ma chambre. On l'a fait? Non, elle est faite, merci. Mademoiselle. Madame. Oui, mademoiselle, c'est une dame pour monsieur. Mais non, il vous a dit qu'il consultait pas. Ah non, elle vient pas se faire ausculter, elle dit qu'elle est madame. Madame qui? Je sais pas, madame tout court et que c'est très urgent. Non, non, mais c'est une détraquée. Poussez-la de moi. Je vous demande pardon, mais je ne suis pas une détraquée. Remarquez, avec mon mari, j'ai hâte de devenir. Avec votre mari? Madame Germina, peut-être. Oui, c'est cela. Vous êtes la nouvelle assistante? Oui, madame. Eh bien, décidément, nouvelle bonne, nouvelle assistante, il a tout remplacé. Pas tout, madame. Bon, je vous ai rien demandé, vous. Allez me chercher mes affaires. Bien, mademoiselle. Alors, on est de retour. Non, juste de passage. Le docteur est là? Oui, non. Enfin, si c'est une bonne nouvelle pour le divorce, il sera sûrement là. Ah bon? Parce que vous êtes aussi la nouvelle secrétaire. Aussi. Là, on peut dire qu'il a fait des compressions. Ah là là là, sur toute la ligne. Eh bien, en effet, il s'agit du divorce. Et c'est une très bonne nouvelle. Tout va pouvoir aller très vite, maintenant. Mais c'est formidable! Je vous demande pardon. Hein? Non, mais, non, mais je vais le chercher. Ce divorce me donnait un travail. Fou, c'était... Ah bah écoutez, je vous en prie, posez-la par terre, cette valise. Bien, madame. Qui ça? Tu es sûre? Madame, je ne reçois pas le samedi, mais puisqu'on vous a fait entrer, je vais recevoir. Laissez-le vous. Et la prochaine fois, écoutez ce qu'on vous dit. Oui, docteur. Nadette, je suis très surpris. Nous sommes séparés de corps, et chaque corps aurait été de son côté. Je me serais bien passé de venir ici, figure-toi. Enfin, je ne connais plus que ton avocat, tu ne connais plus que le mien, c'est fini. C'est pas vrai, ça. Bon, allez, passons. Quelle est cette bonne nouvelle? Bon, alors voilà. Attends, excuse-moi, quand es-tu rentré de Volémostok? Attends, je ne suis jamais allé à Volémostok. Je ne comprends pas. Alors tu n'as pas parlé à la tante? Eh, forcément non. Tu n'as pas parlé à la tante? Tu vas pas commencer à crier, hein? Mais non, t'as raison, ne crie pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi es-tu venue si tu n'as pas vu Tantine? Eh bien, parce que je vais la voir. Quand? Aujourd'hui, là. Eh bien, dis-moi ça, tu pars aujourd'hui pour Volémostok, c'est ça? Oui, non, je ne vais pas du tout à Volémostok. C'est ma tante qui arrive du Kenya et qui arrive à Paris. Tantine vient à Paris? Oui. C'est parfait. Alors, tu vas aller à son hôtel, lui parler. Non, attends, c'est pas exactement ça. Je vais lui parler, mais pas à son hôtel. Ici. Comment ça, ici? Non, pas ici, non? Si, ici! Arrête de crier, hein! Enfin, elle peut pas loger ici! Si, c'est ici qu'elle a sa chambre, non? Non, non, qu'elle avait! Oui, peut-être, mais comme elle ne sait toujours pas que nous sommes séparés, eh bien pour elle, elle a toujours sa chambre ici. C'est normal, non? C'est normal, mais c'est impossible, elle ne peut pas loger ici. Tu pourrais pas lui téléphoner, lui télégraphier, faire quelque chose? Mais non, moi je l'ai reçu trop tard! Quoi? Mais je l'ai reçu ce matin, la belle, tiens, regarde! Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Eh bien, c'est marqué, j'arriverai samedi, voilà. Dis, je vois aussi la date, elle a pas mis 10 jours pour arriver, cette lettre! Si, parfaitement. Et ça, c'est la faute de ta concierge qui l'a fait suivre avec un jour de retard. La concierge? Alors, hé, celle-là, c'est cette reine? Voilà, tiens. Bon, alors, la tante arrive. Tu es venu prévenir Barbara, tu as bien fait. Tu vois? Allez, pas de peine, pas de faute. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais quelque chose me dit que ça n'est pas plus mal parce que nous sommes au pied du mur et ce coup-ci, il va bien falloir le sauter, le pas. Et c'est pas la chèvre qui va le sauter, c'est le lion. Pardon? Non, c'est moi qui lui parle. Non, c'est moi. Excuse-moi, je suis chez moi. Ah oui, mais pour Tantine, je suis aussi ici chez moi. Mais comme c'est pour lui dire que tu n'y es plus, c'est moi qui suis toujours qui lui parlerai. Non, attends, on ne se connaît plus, c'est un fait. Mais moi, je te connais. Ou tu vas pas, il va sortir un seul mot, ou tu vas lui dire n'importe quoi et tu vas me la tuer. Non, attends, je suis médecin, j'ai jamais tué aucun de mes patients. D'ailleurs, une des gloires de ma spécialité, je les enferme, je les tue pas. Je te remercie, mais ma tante n'est pas folle. Oui, je sais. Et je sais aussi pourquoi tu veux lui parler en premier. Parce que tu veux mettre tous les torts sur le dos. Quoi? Parfaitement. Non, mais tu me prends pour une idiote, là. C'est toi qui veux me charger, oui, de faire passer pour un petit saint. Faux cul, là. Mais pas du tout. Je veux simplement lui dire la stricte vérité que tu n'as jamais rien compris à mon métier. Je ne pouvais pas me pencher sur mes patientes sans que tu m'accuses d'être leur amant. Tu passes, j'ai tellement que tu leur tombais dessus. Eh, ça n'a pas été long, tu recommences. Je te l'ai déjà dit, les psychopathes s'attachent à leurs médecins. On n'y peut rien, ça s'appelle un transfert. Tous les métiers ont leurs inconvénients. Et là, les inconvénients, c'était pour moi, hein. Parce que tes transferts, bonjour, c'était l'enfer. Non, l'enfer, c'était tes scènes et tes cris. Quoi? Oui. Mes cris? Oui. Ah non, mais c'est pas vrai, je deviens folle.
Eh, retiens-toi, je travaille pas le samedi. Je me râle là où tu te payes ma tête. Mais pas du tout. Mais tu sais que t'es vraiment... Quoi? Je plais la femme. Oh non, hey, ne parle pas de... Je vais lui dire. Tu vas lui dire quoi, Tantine? Je vais lui dire que tu es un obsédé sexuel. Un maniaque. Tu vas lui dire que je vais te... Tu vas rien dire. Bien, c'était une chose. Mais je vais... Ah, tu m'as mordu. Tu me lâches. Mais Tantine. Oh, que c'est beau. Oh, quelle passion. C'est super. On dirait de grands fonds. Oh, alors. Et alors? Tu m'embrasses pas? Ah, Tantine. Mais tu faut bien laisser un petit peu pour la Tantine, non? Bonjour, Tantine. Surtout, ma tante ne va pas croire que... Oui, ne croyez pas les apparences. Mais c'est pas un reproche. Après 2 ans de mariage, se jeter sauvagement l'un sur l'autre, aussitôt qu'on est en tête à tête, c'est superbe. Ça crie, Bertrand, va. Non. Quoi, non. Tu ne peux pas me jurer qu'il ne s'est rien passé sur ce divan. Non, je ne peux pas vous le jurer, mais... Mais quoi? Et mais Nadette a quelque chose à vous dire. Ah, quoi donc? Et tout de suite. Tu vas t'excuser auprès de moi parce que tu n'es pas venu me chercher à l'aéroport. Non, pas du tout. Non, comment pas du tout? Non, tu sais, elle s'excuse. Non, vous étiez trop occupée, vous n'avez pas vu le temps passer. C'est la nouvelle bonne? Oui. Mais vous ne m'aviez pas dit que j'arrivais? Si, pourquoi? Elle m'a pris pour une folle et voulait me refouler. Ne faites pas attention, elle est refoulée elle-même. C'est une malade? Oui. Tu la soignes? Oui. Elle nous sert et je la soigne en même temps. C'est une malade au père. Voilà. Et ce serait tellement gentil d'aller porter les valises dans la chambre. Hein? Elle est sourde aussi. Elle est un petit peu dure d'oreille. Laetitia a porté les valises dans la chambre. Quelle chambre? La chambre d'amis. Il n'y a pas 36 chambres par là. Il y a notre chambre et la chambre d'amis. C'est oui, pas dur. Oui, monsieur. Bon, maintenant, avant toute chose, il faut que Bertrand te parle. Il n'y a pas le feu au lac, comme disent nos amis suisses. Nous avons 3 jours devant nous. 3 jours? Eh ben, ça me semble long. Non? J'ai pas dit ça. Cours. Eh ben, oh, on essaiera de mettre une rallonge. Ah oui, une rallonge. Comme pour se mettre à table. Ah, mes amis, repos. Moi qui supporte facilement 30 heures de vol par semaine, Paris me tue. Mais Paris tue, c'est extrêmement imprudent de rester ici, Tantine. Faut-il que je vous aime, hein, mes canards? Bon, eh ben, qu'est-ce que vous avez de si urgent à me dire? Eh bien, ma chère tante, ma chère marraine, Nadette et moi nous... Oh, ben ça alors! Qu'est-il? C'est ça que vous voulez me dire? Quoi donc, ma tante? Vous partez en voyage? Nous? Jamais de la vie? Mais c'est valise! Ce ne sont pas les vôtres? Mais celle-là, non? Eh ben, enfin, Bertrand! À qui sont ces valises? Ah, qui sont... Pourquoi c'est toujours moi qui dois répondre? Qui sont ces... C'est à la bonne! C'est à Laetitia! Oh! Oui, parce qu'elle refoule des envies de voyage. Chien! Et tout le temps, il lui faut les valises pour se promener, vous voyez. Oh. Elle n'est pas dangereuse, mais elle a ses petites valises. Laetitia! Prenez vos valises, emmenez-les dans votre compartiment. Hein? Vous les mettez bien au-dessus de votre siège dans le filet. Qu'elles ne tombent pas. Hein? Parce que quand vous êtes déjà un peu fêlé, ça ne vous arrangerait pas. Hein? Oh là là, bah je sens que je vais passer de bons moments avec cette bonne. Bon, en attendant, je vais aller défaire moi-même mes valises parce que je crois que c'est plus prudent. Non, non, m'arrête. Non, non, une seconde. Maintenant, il faut que Nadette vous dise. Et... Bon... Alors voilà. Et puis zut, hein, pas moi, toi. Comment toi? Tu es venu ici exprès pour lui parler, tu me l'as dit. Pas du tout, non, s'il te plaît. Ne vous disputez pas. Dites-le tous les deux. Commencez à m'intriguer, hein. Il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Enfin, du nouveau, on peut pas appeler ça du nouveau puisque ça date au moins de 6 mois. 6 mois? Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Pourquoi, ça? Ça, oui, pourquoi, hein? Pourquoi, on se le demande, hein? Pourquoi? Eh bien... parce qu'au début, on n'était pas très sûr. Voilà. C'est vrai. On n'était pas sûr qu'on le voulait vraiment. Et oui, on hésitait. Un sujet de ménage, c'est normal, non? Mais ça y est, maintenant, on est décidé. On le veut tous les deux. Mais canard! L'héritier! L'héritier est en route!
Quelle vérité? Oh, moi, pauvre imbécile qui ne voyait que du feu. 6 mois. Mais tu es folle de te serrer comme ça. Ah non. Vous l'héritière? Non, marraine, ne vous emballez pas. Ah non, ne t'emballe pas, tante. Ah mais si, je m'emballe. Ce bébé que je n'ai jamais pu avoir, moi, c'est vous, mes canards, qui allez me le faire. Marraine. Oh, merci, mes enfants, merci. Mais je comprends pourquoi vous avez attendu si longtemps pour me le dire. Demain, c'est ma fête. Vous ne pouviez pas me faire un plus beau cadeau. Oh bébé, il me semble que ce n'est pas toi, mais moi qui le porte. Oh ben ça pour ce qui pèse. Oh, enfin jeune maman. Essaye de la tromper. Vas-y. En plus c'est sa fête. Eh, c'est sa fête, j'ai complètement trompé. Espèce de faux. Quoi? Espèce de faux cul. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu me trompes avec ta femme, hein? Quoi? Ah bah dis donc. Ah, tu penses si on faisait traîner le divorce, hein? Ah, j'ai tout entendu. Les canards, l'héritier est en route. Ça débarque. Mon fort est en pleine paranoïa. Non mais dis-donc, c'est tout de même un peu raide ça, ta femme atterrit. Moi je te laisse avec elle pour conclure le divorce. J'y reviens, je vous trouve tous les deux en train d'attendre un bébé. Mais non, je vais t'arracher les yeux. Chérie, je vais t'arracher les yeux. Quand la tante est arrivée, Nadette et moi on était positivement collés l'un à l'autre. Vous avouez ça, froidement? Non, tu vas voir. Chérie, je ne l'embrassais pas, je l'étranglais. La tante est arrivée, on a changé de position, c'est naturel. Et tu as lui laissé croire à la tante que tu sortais des bras de ta femme alors que c'était des miens. Tu ne me comprends pas, je l'étranglais. Oui. J'étais comme ça. Oui. Quand on entend la tante, on a changé de position. Alors, assistante, secrétaire et maîtresse. Et la deuxième, Madame Germina, quand la première sera tout à fait liquidée. Félicitations. Merci. Eh bien, les présentations sont faites. Bon, alors si je comprends bien, mademoiselle, vous avez plutôt intérêt à nous aider. Vous voulez que j'aille border tantine? Non, je vous remercie, la situation est déjà assez scabreuse comme ça. Attendez une minute. Vous me jurez que vous n'êtes pas la maîtresse de votre mari? Non, mais vous êtes folle, hein. Ah, tu vois, c'est le cri du cœur. Ok. Mon mari n'est plus qu'un étranger pour moi. Mais un étranger. Je dirais même plus, un ennemi. C'est toi qui l'as voulu. Oui. Alors, vous comprenez, moi, si ma tante découvre que mon mari a une maîtresse, ce qui n'est pas étonnant, car c'est un obsédé sexuel. C'est un peu. Et que par surcroît, il a installé cette maîtresse sous le même toit que sa femme, ce qui n'est toujours pas surprenant, car c'est un pervers notoire. Je suis pas un pervers, quand même. Alors moi, je pense à ce que va penser Tantine. Donc, mademoiselle, ce serait mieux que vous alliez faire un petit tour. Où ça? Voilà. Ah non, non, moi, je veux bien pousser à la roue si c'est la roue du divorce. Mais maintenant, c'est moi qui suis chez moi. Alors, bah, pour Tantine, je repasse ma blouse et puis je suis l'assistante. Alors ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que d'une part, le samedi, l'assistante n'est jamais là, et que d'autre part, en blouse, vous avez encore plus l'air de ce que vous êtes. C'est-à-dire? De la poule du patron. Oh non, Nadette, moi, je vous dis simplement ce que penserait Tantine. Oui, bon, la dame qui a un drôle de chapeau, elle m'a dit d'appeler madame. Monsieur doit savoir laquelle des deux. Nadette, pas vite. Laetitia, la dame qui a un drôle de chapeau s'appelle tante Mimi, et c'est la tante de madame. Ah oui, de madame? Non, pas moi. Ah bah de la folle. Elle n'est pas folle. Et dorénavant, c'est elle que vous appellerez madame, mais pas pour longtemps. Combien de temps? Je vous le dirai. Bon, et le docteur? Quel docteur? Bah vous. Ça, moi, c'est vrai, je suis le docteur. Moi, c'est monsieur, toujours. Bon, et mademoiselle? Alors, mademoiselle, vous ne la verrez plus que de ce côté-là de la porte. Non. Elle redevient mademoiselle. Oui, bah pas pour longtemps, hein. Non, j'ai mal à la tête. Bertrand de la vie, je trouve plus rien dans la maison. Tiens. Je trouve plus rien, mais pourtant il commence à y avoir du monde. Maman, week-end. Oui, quoi, chérie? Oui. Va faire un tour, va chercher la voiture au parking. Oh non, mais notre week-end. On part pour Deauville, mon cœur chéri. Je te jure que ce soir, tu coucheras à Deauville avec un obsédé sexuel pervers, notre choix. Oh, je te mangerai, toi. Maman, week-end. Oui, madame. Oui, mademoiselle. C'est un monsieur pour madame. Mais j'attends personne. Non, pour la nouvelle. Ah, pour l'ancienne. Veuillez m'excuser, madame. Parce que vous êtes aussi madame Germina? Oui, monsieur. Tiens. Non, bon, enfin, pas encore, mais... Ah, bien. Non, parce que j'étais un peu surpris. Parce qu'en fait, madame Germina, que j'ai accompagnée jusqu'ici, est encore madame Germina. Mais je vois que vous serez la prochaine. Oui. Ah, j'ignorais qu'il y eût une prochaine. Je suis enchantée, mademoiselle. Mais... Attendez, je m'avance peut-être, monsieur, mais vous-même, ne seriez-vous pas le prochain? J'ai cette chance, oui, mademoiselle. Mais je ne savais pas, moi non plus, qu'il y avait un prochain. Je suis ravie, monsieur, bien que mon futur mari ne vous dirait pas que c'est une chance. Oui, ma future femme vous en dirait autant de lui. Mais alors? Mais nous sommes deux, souhaiter l'accélération du divorce, on ne sait pas trop. Nous sommes même quatre. Car si ma fiancée est en ce moment avec son ex-mari, c'est pour accélérer le divorce, m'a-t-elle dit. Oh, c'est très bien. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là?
Je vous avais demandé de m'attendre dans la voiture. Je vous y attendais, ma chère Nadette. Mais d'abord, cette visite chez celui qui, aux yeux de la loi, reste votre mari, commençait à me sembler longue. Comme je suis certain qu'elle semble longue aussi à mademoiselle. Oh là là. Non, mais ça y est, tout va bien. Torpigny est arrivé. Oui, mais je sais, je l'ai vu descendre de son taxi. Ah bon, vous l'avez reconnu? Bon, immédiatement, elle est si pittoresque. Ah, et je me suis dit ceci. Puisque tante Minnie est en train d'apprendre quelle erreur avait été la sienne en faisant ce mariage, n'est-ce pas le moment rêvé pour Nadette de me présenter à elle, moi qui offre toutes les garanties de réussite pour un deuxième mariage? Ah bon? Le docteur Germina. Oui, Bertrand. Oui. Je te présente Hubert d'Orignac, mon fiancé. Oui, oui, j'avais compris. T'aurais eu tort de le laisser passer, celui-là. Ah, hein? Alors, si j'ai bien compris, tu as vraiment l'art d'annoncer la nouvelle aux gens à la dernière minute. Enchanté. Enchanté. Alors, tu te remaries tout de suite? Toi aussi, non? Non, moi, c'est pas pareil. Enchanté. Enchanté, enchanté. Alors, si je comprends bien, voilà encore un qui attend que la chèvre saute. Enchanté. Enchanté. Ou plutôt, désolé de ne pas pouvoir l'être, monsieur, car il y a vraiment des moments qui ne sont pas propices aux présentations, quelles qu'elles soient. Ah oui, non, Hubert, Bertrand a raison. Je vous présenterai ma tante, je vous le promets, mais tout de suite après. Après quoi? Mais je ne vois pas pourquoi je passerai après. Cher monsieur, en tant que second mari, vous passerez toujours après le premier, vous vous y faites. Alors, je vous le demande, est-ce qu'on peut annoncer à tante Minnie le remariage de sa nièce, alors qu'elle n'a même pas appris son divorce? Mais je conçois que non. Bon, comment? Vous n'y avez pas encore parlé? Attendez, elle vient d'arriver. Mais je sais, mais qu'attendez-vous? Elle est en train de défaire ses bagages dans sa chambre. Comment? Elle s'installe? Mais non, enfin monsieur, je vous le demande, vous avez l'air d'un gentleman. Est-ce qu'on peut poignarder cette pauvre femme alors qu'elle n'a même pas ouvert ses valises? Mais certainement pas, monsieur. Bon. Alors, vous voyez bien, Hubert. Alors, soyez gentils, hein. Vous avez toute la vie tous les deux devant vous. Effacez-vous, c'est l'affaire de quelques instants. Oui, mais c'est que Nadette et moi, nous partions pour le week-end. Mais moi aussi, monsieur. Oui, mais la tante, c'est très joli, mais moi, j'ai ma mère. Mais moi aussi, monsieur, j'ai ma mère. Mais bien en Touraine. Mais moi aussi, à Metz. Enfin, elle désire faire la connaissance de ma fiancée. Nous sommes très ponctuels dans ma famille. Ma mère nous attendait à 7 heures. Et comme je n'excède jamais la vitesse de 90 km à l'heure... Écoutez, c'est très bien de votre part. Pour une fois, vous faites une petite pointe à 110. En aucun cas. Bon, écoutez, monsieur, c'est pas difficile. Téléphonez-lui. Ah, bah oui, téléphonez-lui, Hubert. Oui. Je n'ai jamais fait de mensonge à ma mère. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais la vérité... Que votre fiancée ne peut pas devenir votre femme tant qu'elle n'est pas divorcée, et que pour divorcer, elle doit revivre avec son mari une heure ou deux. Inconcevable! Pauvre maman! Et moi qui ai l'ouverture du canard! C'est... Dites donc! J'espère que votre bonheur passe avant les canards! Attends, Nadette! Là! Cachez-vous! Cachez-vous! Venez par ici! Venez! Fermez les yeux! Vous ferez? Ah, ben c'est tout ce que vous dites? Ça vous plaît pas? C'est joli! Hein, Bertrand, c'est joli! C'est délicieux! Il y a du rose, hein? Alors, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous me faites une petite mini. Tiens, j'ai mis un gant à tricoter ça. Tontine, oui? Ça n'est pas urgent à ce point-là. Oh ben, vous savez, 3 mois, ça va passer vite. Mais non, justement, il y a des bébés, même ardemment désirés, qui n'arrivent pas. Mais celui-là arrivera, je vous le garantis, dans la famille, on arrive toujours. Et justement, celui-là, il est mal parti. Mal parti? Vous avez des craintes? Des craintes, c'est pas le mot des craintes. Dis, tu peux dire quelque chose, c'est la même, non? Oui, mais c'est vrai, ma tante, qu'il y a des jours comme aujourd'hui où alors. Pouh! Je me sens fatiguée, c'est. Allons, mais tu as une mine superbe! Je n'ai jamais vu une maman porter un enfant avec autant d'aisance! Ah, alors, la grande Mini a eu son cadeau, la petite aussi, maintenant, c'est un Nadette! Et voilà! Du rose! Encore du rose! Oh, que c'est joli! Oh là là, oh, c'est ravissant! Hein, Bertrand, c'est ravissant! Ah oui! Non, c'est ravissant! Non! Elle ne mérite pas qu'on la gâte! Ah non, c'est vrai, je ne le mérite pas! Reprenez votre cadeau, tantine! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous refusez mes cadeaux? Oui, je suis absolument désolé, mais il le faut! Oh! Mais quelle histoire pour un petit déshabillé! Eh ben, voici avec ça comme sujet de préoccupation, malheureusement! Ça, c'est beaucoup moins rose! C'est même tout à fait sombre. Qu'est-ce que c'est que ça, ma tante? Des gouttes pour le cœur. Quel cœur? Le mien, hélas. Qu'est-ce qu'il a?
J'ai eu une petite alerte à Copacabana. Oui, c'était pendant le carnaval. Je dansais une samba endiablée avec des noirs. Super. Tout à coup, j'ai eu comme un pincement. Alors, je ne vous ai pas écrit pour ne pas vous inquiéter, mais j'ai consulté et le médecin m'a donné ses gouttes. Oh non, oh mon nom, tantu, vous n'avez pas aussi le cœur malade. Comment aussi, mais tout le reste va très bien. Oh Nadia, dis-moi, c'est pas vrai, là, qu'est-ce qu'on peut... Là, c'est pas vrai. Non, là, ça, j'avoue, c'est décourageant. Mon frère, ne vous affolez pas, mes canards, je vous enterrerai. Seulement, il faut que je fasse attention. Tiens, Nadia, tu me comptes 17 gouttes dans sa dos. 17, hein, pas plus, c'est très fort. Oh, et j'avoue, ma foi, que cette émotion... Mais quelle émotion? Eh ben, l'héritière, même bonne. Une émotion, ça se couche. Oui, non, 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 non. Alors, assez. Y a maintenant, d'aller, pas. Non, on ne peut plus reculer. Là, faut sauter. Nadette a quelque chose à vous dire. Mais avant, prenez vos gouttes, tantine. Je ne boirai pas, vous parlerez d'abord. Non, il vaut mieux après, justement. Vous me prenez vraiment pour une imbécile, tous les deux. Vous savez, à me faire un aveu qui vous coûte beaucoup. Oui. Et vous tournez autour du pot. Oui, prenez vos gouttes, Fantine. Ce bébé, vous n'en voulez pas. Voilà ce que vous n'osez pas me dire. Mais non, pas du tout. Vous voulez quand... Ah non, non, mais c'est pas la raison. La raison, je ne veux pas la connaître. Maintenant, il est trop tard. Vous m'en avez parlé, vous devez me le faire. Une fille réussie, blonde, avec des yeux bleus. On va nous faire, on fera deux. Vous le jurez? On vous le jure. Buvez, tantis. Ça a mieux. Mais alors, qu'on ne m'en reparle plus, c'est très pénible. Bon, eh ben, je vais aller me reposer un peu. Maintenant que vous avez accepté, je suis sûre que vous êtes soulagée. Vous savez ce que disent les Indiens au cassio? Non. Les petits papouses et l'étoile qui scintille au-dessus du tipi paternel. Oh, tout ça m'a brisé. Il ne manquait plus que ça. Mais qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce que vous cherchez? La sortie! Et la bonne cette fois! Hé, hey, c'est pas par là! Oh, écoutez, Hubert, je vous demande simplement d'être un petit peu. Quoi? Le parrain? Non, patient! Oh, ça suffit, hein. Je veux bien venir en aide à l'ex-mari de Nadette, mais certainement pas au futur père de son enfant. Mais enfin, puisqu'il n'y a pas d'enfant. Non, je n'ai jamais touché à ma femme. Depuis qu'elle est votre fiancée. C'est ma tante qui l'a cru sur un malentendu stupide. Et vous avez entendu, vous étiez là. Nous essayons vainement de la détromper quand tout à coup, son cœur a flanché. Oh, pauvre tantine, son cœur. Enfin, Hubert, vous en avez bien, vous aussi, mais que... Mais oui, il en a, monsieur, je vous le demande. À quoi auraient servi tous les sacrifices que nous avons consentis, vous et moi, si nous ne devons pas l'aménager un peu? Oui, mais si pour l'aménager, vous devez faire un enfant à ma femme, si. Arrêtez de me parler de cet enfant, c'est vous qui serez le père. Mais je l'espère bien. Bon, ben, nous ne sommes pas encore là, hein, parce que moi, je dois téléphoner à ma mère. Alors, comment et quand comptez-vous révéler la vérité à tante Mini? On se dépêche parce que maman nous attend à 7h. Ne bousculez pas, hein. Non, parce que je déteste qu'on bouscule. Ah, mais je vous bouscule pas. Ne bousculez pas Bertrand. Non, je parlerai à tante Mini, mais ne me bousculez pas. Je ne vous bouscule pas du tout. Laissez faire Bertrand. Vous avez entendu, laissez faire Bertrand. Mais laissez faire Bertrand. Oui, non, mais parce que vous pouvez prendre ma place si vous voulez, hein. Vous êtes dans mon appartement avec ma femme. Alors prenez aussi ma place. Et prenez aussi les décisions. Alors, si vous le prenez sur ce ton, je vous dirai ceci. Oui. Après tante Mini, moi je lui parlerai. Ah non, non, Hubert, vous ne pensez pas. Mais pourquoi? Non, déjà comme successeur de l'homme qu'elle avait choisi pour sa nièce, surtout dans ce costume, vous avez un gros handicap. Alors, ça n'est pas le moyen d'entrer dans ses bonnes grâces, Nadette a raison. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Dites-moi, je pourrais vous répondre, qu'est-ce que je vais dire à ma marraine? Et moi, qu'est-ce que je vais dire à tantine? Monsieur, nous sommes dans le même bateau. Est-ce que vous ramez avec nous? Bon, alors je rame avec vous. Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Eh, hey, dites-donc alors, vous avez le beau rôle. Vous, rien. Rien? Alors là, c'est entendu. Hubert, bon. Je vous adore. Serrez-la, monsieur. Tenez. Voilà. Oh, allez, va. Oui, ça va. Oui, ça va. Ah, que d'effusion. Yes. C'est qui? On lui dit Nanette. Je sais pas. C'est une surprise pour vous. Cherchez. Bon, on cherche tous pendant qu'on y est. On cherche. Attendez. Voyons, vous connaissez bien. Oh, oui. C'est un ami. Oui, bien sûr, mais qui? Qui? J'y suis. C'est Bardu. Bardu. C'est... Ah, Bardu, ça, c'est une bonne idée qu'elle a eue, là. Mais comment, Bardu? Oui, c'est... Allez, Bardu, elle a dit... Bardu, elle a dit, mais arrête. Le temps que nous
devions faire connaissance. Eh bien, vous dites, tantine, tout arrive. Allez, on s'embrasse. Allez, on s'embrasse. Allez, pardon. Madame, je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Je ne pensais pas que cela se passerait dans de pareilles circonstances. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les circonstances? Eh bien, il était venu nous faire une surprise. Il ne savait pas que vous étiez là. Il a peur d'être de trop. Exactement. Ouais. De trop, pardon. Mais vous ne savez pas ce que Bertrand dit de vous. C'est un autre moi-même. Ah, oh, ben en effet. Hein, oh, pardon. M'en ont-ils assez parlé, les canards? Les deux inséparables. Le même collège, le même régiment, les mêmes petites femmes. Oui. Avant toi. Hein. Oh, je sais tout de vous. Oh, ben vous avez bien de la chance. Merci, mon cher Bardou. Merci, je vous en prie. Vous habitez toujours... Attendez. Ah, ah ben, j'attends. Pontoise. Pontoise. Ah, Pontoise. Pas fidèle à Pontoise, Bardu. Et vous êtes en tenue de chasse. Oui. Grand chasseur, Bardu. Et vous chassez quoi? Oh, ben, ce qui se présente, hein. En ce moment, c'est le canard. Oh, des volailles. Moi, je fais du safari photo. C'est beaucoup plus excitant, mais ça fait moins mal. Alors, je traque le tapir en Inde, le lion au Kenya, la vache en Normandie. Oh, la vache en Normandie. Oui. Et vous chassez à Paris? Oui. Non, oui, si. Ah, si. Ah, bon. J'ai boyeux, Paris, le soir d'Anvers. Je crois des Matignolles. Rue de la Chaussée-Lantin à l'aube. Et vous n'avez pas emmené Madame Bardu? Il n'a pas emmené Madame Bardu. Mais ça m'aurait fait plaisir de le connaître. Ça lui aurait fait plaisir de connaître Madame Bardu. Ma mère? Non, ta femme, Gisèle. Non, mais ma mère s'appelle pas Gisèle. Hein. Mais non, c'est ta femme qui s'appelle Gisèle. Ah, ma femme s'appelle Gisèle. Eh bien, elle te l'a dit. Oui. Elle l'a dit, elle est un petit peu fatiguée. Hein. Pas souffrante, au moins. Ah, souffrante, non, je pense pas. Non, mais pas. Elle est pas traque, alors. Oui, mais pas loin. Oui. C'est vrai, j'oubliais. Et quoi donc? Elle aussi. Ah oui, mais quoi donc? Tu me l'as écrit à la Havane. Elle aussi attend un heureux événement. Ah ben décidément. Décidément, c'est tout pareil. Ah, oui. Et c'est pour quand, Madame Bardu? C'est pour quand, Madame Bardu? Eh bien, c'est pour quand, Madame Bardu? Non mais compte, je suis pas le père. Ah oui, mais je suis pas très fort en calcul mental, alors... Eh bien, c'est simple, c'est comme pour moi. Crois-moi. Ah, oh, c'est extraordinaire. Si ça se trouve, vous n'êtes pas le même jour. Si ça se trouve. Et vous avez une valise? Ah non, moi j'ai pas de valise. Oui, si, bien sûr, toujours quand on arrive de Pontoise. J'y suis. Vous aussi, vous veniez pour le week-end. Ah non, je ne viens pas pour le week-end. Mais moi, si non. C'est pour ça que vous avez peur d'être de trop, à cause de la chambre. Mais quelle chambre? Mais la mienne. Ah, oh, monsieur Bardu, là, je vous mets tout de suite à l'aise. Vous êtes l'ami par excellence, c'est la chambre d'amis, elle est pour vous. Oh, mais jamais, mon monsieur. Mais si, je prendrai le divan-lit. Mais moi, je ne veux pas coucher ici, Vous n'allez tout de même pas retourner à Pontoise. Alors là, à Pontoise, sûrement pas. Bon. Eh bien, alors c'est dit, oui, c'est dit. Allez, couchez. Non, chère madame, ça n'est pas une question de chambre, mais de lit. Ah oui, ben il y a le compte, il y en a trois. Ah ben non, justement, il n'y a pas le compte, hein, non? Mais enfin si, écoutez, moi dans le divan-lit, vous dans la chambre du couple, mes canards dans l'heure. Les canards, c'est ce que je ne veux pas. C'est... Vous savez, c'est un délicat, Bardu. Je suis sûr que dans l'état où est sa femme en ce moment, il lui a déjà imposé de faire lit à part. On ne peut plus à part. Alors, comme Nadette et moi sommes pratiquement dans la même situation, il se dit qu'il serait peut-être préférable, pour Nadette et pour moi, de faire aussi lit à part. Oui, pas préférable, indispensable. Bien, alors, j'ai un lit dans mon cabinet de travail pour ma clientèle. Si Nadette se sent fatiguée ce soir, je le prendrai. Fatiguée ou pas? C'est entendu. Bon, alors tout se simplifie, hein? Je vais donc avoir un lit pour moi toute seule. Et puis alors, vous prendrez la nôtre. Mais, attendez, laquelle? Parce que j'y suis plus du tout, là, moi. Hein? Eh bien... Notre chambre. Celle du couple. La vôtre, Nadette? Jamais. Nous ne sommes pas mariés. Mon Dieu, qu'il est cocasse. Mais il n'y sera pas, nous récapitulons. Vous, dans la chambre du couple, moi, dans la mienne, Nadette, sur ce divan-lit, et qu'elle soit fatiguée ou pas, son mari dans son cabinet. Voilà, alors, tout entendu. Le cabinet ne donne-t-il pas dans cette pièce? Bardu, tu veux que j'aille coucher sur le palier? Monsieur Bardu, là, vraiment, vous me faites beaucoup de peine. Hubert, son cœur. Mais moi, je m'en fous de son cœur. Bon, alors, madame, c'est entendu, vous êtes extrêmement aimable, c'est moi qui m'excuse. J'espère que tout le monde respectera les conventions et les convenances. Mon cher Bardu, je vous répondrai comme les Touaregs. Ce qui est juré dans mon âme est plus sûr que ce qui est écrit sur la peau du chameau.
Mais quel chameau? Je vais m'occuper moi-même de vos pizzas. Prends sa valise. Oui, la valise, je vais m'occuper de la valise. Ah bon? Dites-donc, vous êtes d'une race en voie de disparition. Il va falloir vous mettre dans une réserve. Dans une réserve? Non, mais n'est pas un tout petit peu... Elle est un peu fatiguée, vous savez, elle arrive du Kenya. Dites, ce barbu, c'est quelqu'un de bien au moins? Non, très très bien. Non, non, parce que je ne veux pas passer pour n'importe qui. Hein. Écoutez, vous avez entendu, c'est un autre moi-même. Ah, bon. Dites-moi, à propos de valise, vous devez avoir les vôtres dans votre voiture? Oui, et mon fusil. Votre fusil? Oui, oui. Bah, elle avec un fusil, vous? Oui, oui. Ah, bah oui. Oui, je suis bête, oui. Avec un chien aussi? Ah non, j'ai supprimé le chien, je n'utilise que la peau. La peau du chien? Non, la peau. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un appeau? Je suis pas chasseur. C'est un petit sifflet qui imite le cri de l'oiseau. Vous êtes sur votre pliant, le ventre à l'air, le nez aussi à l'air, hein? Et vous soufflez dans la peau. La peau du chien? Non, la peau, le sifflet. Écoutez, oui. On est là. C'est très simple. Mais ça fait venir quelque chose, ça? Mais oui. Des moutons, oui, c'est tout. Mais non. L'oiseau leurré vole vers vous et poch, plouf, il tombe. Eh, bah, dites donc, bon, bah, la bonne va aller chercher vos valises et votre fusil. Ah, oh, bah, tiens, encore une valise? Ah, oui, c'est celle de mademoiselle. Ah, eh, c'est toujours la même qui revient. Il faudrait qu'elle est montée sur un roulement. Madame m'a dit que vous la donniez vous-même à mademoiselle parce qu'elle va en avoir besoin pour aller à Deauville. J'avais complètement oublié Deauville. Bon, Laetitia, il y a un petit changement. Vous allez préparer ce divan-là pour madame. Laquelle? Ma femme, ça change pas. Oui, ça changera. Oh non, non, je vous supplie, n'embrouillez pas. Non, j'ai déjà mal. Non, ne bougez pas parce que déjà, je suis même pas sûr qu'elle va comprendre tout ce que je vais lui dire. Hein. Bon. Et c'est avec le docteur que madame couchera? Non, vous voyez, oui, non, madame couchera seule. Bon, et le docteur? Moi aussi, seul. Où ça? Dans mon cabinet. Bon, avec mademoiselle? Non, seule. Mademoiselle couchera seule aussi, bon. À Deauville. Et la tante seule aussi? Oui, aussi seule. Et moi seule aussi? Voilà. Bon, ça fait que tout le monde couchera tout seul. Voyez comment c'est. Voilà. Est-ce qu'il y aura assez de draps? Oui, il y aura assez de draps. Alors, je vais vous présenter un grand ami à moi. Il s'appelle Bardu. Vous l'appellerez Monsieur Bardu. Mais Bardu, c'est affreuse. Ouais, c'est pas très joli. Non, mais dites donc. Non, non, ça vous va bien, ça vous va bien. Oui, je préfère ça. Bon, enfin, il y a une chose que je comprends, c'est que mademoiselle, elle couchera à Deauville. Voilà, alors allez le chercher, après vous irez chercher les bagages de monsieur. Oui, et n'oubliez pas mon fusil. Hein. Quel fusil? Vous occupez pas, allez chercher mademoiselle d'abord. En fait, dites-toi à ce propos. Vous n'avez pas rencontré ma nouvelle fiancée? Mais si. Elle est charmante. Avec cette bousculade, j'ai oublié de vous féliciter. Merci. Dis-donc, elle est charmante, mais elle est un petit peu plus nerveuse que l'autre. Oui. Alors je me demandais si vous pourriez pas lui annoncer vous-même. Mais quoi? Qu'elle va aller coucher toute seule ce soir à Deauville. Mais pourquoi? Ben parce que si c'est moi, j'ai un peu peur qu'elle m'arrache les yeux. Ah mais dites, non, mais c'est extrêmement délicat ce que vous demandez là, hein, parce ça, que... C'est... Non, ça c'est pas vrai. Je me décargage, je me coupe en quatre pour vous. Votre fiancée, vous pouvez faire quelque chose pour la mienne, non? Non, mais je ne peux pas. Ah, bon, non, vous allez trouver votre descente. Non. Merci. Mais non, je ne peux pas. Merci, je vais. Vous n'avez pas compris? Je vous appellerai, lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Monsieur Dorignac, vous avez téléphoné à votre maman? Oh, maman, j'ai complètement oublié de lui téléphoner. Où est-ce que je peux le faire tranquillement? Il y a un poste dans ma chambre, vous serez seule. Votre chambre? Ouais. La chambre du couple, donc la mienne. Hein? C'est parfait. La vôtre? Elle est énorme. Ma fille, expliquez-lui, rassurez-vous, elle sait tout. Qu'est-ce que je vais dire à maman? La sienne. Non mais, il veut tout de même pas rester couché ici. Oh si, mademoiselle. Madame. Ah. Et dans ma chambre? Voilà, ça comme coup d'accélérateur pour un monsieur qui dépassait pas le 90. Et monsieur est au courant? Ah oui, c'est lui qui a fait le partage des lits. Des lits? Non mais ils vont pas tous rester couchés ici quand même. Ah, tous! Sauf vous, mademoiselle. Mais vous avez encore tout compris de travers, ma pauvre fille. Mais vous ne savez pas qui est monsieur Dorignac, c'est le fiancé de madame. Bertrand? Vous faites bien, mais en tout cas lui, c'est monsieur Bardu. Monsieur Bardu? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Mais il est à Pontoise, monsieur Bardu. Alors, c'est un autre. Oh, mais attendez, là. Ouh, attendez. Non, ils m'ont tout de même pas fait ce coup-là. Petit canard, joue au papa, à la maman, puis Dorignac joue les Bardus. Et puis moi, où est-ce que je vais coucher, moi? Ah, à Deauville, mademoiselle. À Deauville, toute seule? Oh, où ça, alors? Je vais lui arracher les yeux, celui-là. Je vais lui arracher les yeux, je vais. Non. Je pars. Ouais. Je pars. Oh, mais ils vont avoir de mes nouvelles, hein. Je vais leur envoyer une carte postale, et puis en couleur. Allez, tous, nous allons porter un toast à la santé des bébés. Laetitia, vous pouvez disposer. Oui, madame. Est-ce que Dolly est partie? Oui, monsieur. Un tiers, alcool.
récolte de haricots rouges, un tiers que des arbres macérés dans du jus de cactus. Dolly est partie. Oui, merci. Ça fait un petit peu penser à de la limonade, mais ça me remonte davantage que mes gouttes. Elle est partie. Oui. Quel paisible week-end nous allons passer entre mes deux connards et ce cher monsieur Bardu. Bonjour, mon chéri. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. Oh, quelle bonne surprise. Madame Bardu. Comme ça, on est au complet. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, la tante est couchée, ça va? Qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Ah! Bah, dites-moi, vous en mettez un temps. Vous avez bien fermé la voiture. Oui, monsieur. Où allez-vous? Bah, ces valises, je les ai prises dans la voiture de monsieur Bardu. Et alors? Donc, ce sont les valises de monsieur et madame Bardu. Mais non, vous avez bien vu que monsieur et madame Bardu sont arrivés avec chacun sa valise. Oui, mais pas folle, la guêpe. J'ai bien vu que cette valise, c'est la même que celle de mademoiselle Dolly. Aucune importance, ces valises ne leur appartiennent pas. Mais quelles sont? À personne, vous occupez pas ça. Et n'appelez plus mademoiselle Dolly. Mademoiselle Dolly, elle s'appelle madame Bardu. Ah, bah dis donc, elle a pas perdu de temps. Bah, mais, encore des valises. Ah, toujours sa manie. Même le soir. Ah, elle adore voyager de nuit. Je sais pas ce que ça lui procure. Elle voyage. Oui, bon, bah ça y est, terminus. Hein, ça y est. Allez, vous portez les bagages à la cousine. Au revoir, Laetitia. Monsieur. Vous avez une couchette pour la nuit? Oh oui, madame. Alors, bon voyage, mon petit. Si vous avez peur, vous tirez la sonnette d'alarme. Ouais, eh ben, il y a des moments, il y aurait de quoi. Je suis sûre que cette petite a eu une aventure malheureuse avec un chef de gare. Vous êtes très perspicace, Tantine. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Wouh, mon petit Bertrand. J'ai hâte de voir votre réaction devant la nouvelle tenue de Nadette. Alors, il vous gêne toujours le déshabillé? Ah oui, tout, il est toujours aussi ravissant. Oh, elle a voulu les traîner tout de suite. Et pourtant, j'ai jeté un coup d'œil dans sa garde-robe. Que le fanfreluche. Ah bon? Il y a même quelques-unes qui sont un petit peu... Hein, ça a très rassurant. Hein. Jamais vous ne l'avez autant gâté. Ah ça, jamais. Bah, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Si, si, mais je pense que c'est madame Bardu qui doit en profiter. Allez, installe-toi, ma cocotte, là. Nos petites traditions, que je te borde. En tout cas, les Bardus ne pourront pas dire qu'on n'a pas tout fait pour leur être agréable. Tout. Oh, alors là où j'ai bien ri, c'est quand on a installé le lit relax. Il faisait une drôle de tête, l'ami Bardu. Vous savez, il fait toujours une drôle de tête, Bardu. Après tout, vous avez eu raison de l'installer chez lui, parce que c'est lui qui voulait faire lit à part. Et comme ça... Qui est-ce qui va coucher avec sa petite femme? C'est le gros Binet. Ah, ah, bonne nuit, Tantine. Dites-moi, Tantine, est-ce que vous avez pris vos gouttes? Oui, docteur. Bon, alors vous en prenez. Qu'est-ce que c'est qu'une goutte quand on pense à ce qu'il faut comme goutte pour faire un litre? Non, non, je ne dépasse pas la dose prescrite. Eh ben, et les traditions? Encore? Quelle tradition? Mais d'habitude, je vais toujours au lit sur la vision de mes deux canards blottis, elle contre elle. Vous savez, maintenant j'ai beaucoup de travail, alors je traîne un peu avant de me coucher. Vous voulez absolument que je passe une mauvaise nuit? Bon, eh bien, Bertrand, pour une fois, tu ne traîneras pas. Allez, à la niche, le grand chien. On y va. On se couche, allez donc. Allez, les papates, dans le lit, voilà. Et puis ça, alors, avec sa petite femme, voyons. Ben voilà. Oh, que c'est joli. Un couple uni. Oh, quand je pense à tous ces gens qui divorcent. Faut-il être bête. Cher Minnie. Elle est adorable. Tu sais qu'elle va te manquer? Bah oui, bon, allez pas d'attardissement, hein. Allez. Ça va, elle est rentrée dans sa chambre. Qu'est-ce que tu attends, là? Rien, je te demande pardon. Mes valises! Oui, pardon, je te les donne, elles sont là. Psst! Tante Mini est couchée? Oui. Alors, ça va. Chut! Mais ça va pas, qui c'est qui t'a mis comme ça? Mais c'est fini, oui. Mais c'est votre faute, ça. Vous m'avez demandé de faire tête ouverte pour entendre votre coup de sifflet. Résultat? Allez, voilà votre clé de voiture. Oui. Voilà votre valise. Je prends la mienne. Voilà votre valise. Mon biquet, ta brosse à dents. Bien pensé, mon amour. Dites, c'est toujours décidé, hein. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Pourquoi? Vous avez une meilleure idée? Non, c'est insensé, ça. Hein. Vous m'avez dit que je ne devais rien faire. Hein. Et voyez, de fil en aiguille, où vous m'avez mené? Oh, si ma mère voyait ça. Dis donc, je pouvais passer la nuit entière avec ma fiancée, moi, pas vous. Alors, qui c'est qui est venu tout compliquer? Oh, dites, si quelqu'un est venu compliquer les choses ici, c'est mademoiselle, hein. Moi? Oh, bah dites donc, vous en avez de tout pain, vous. Vous n'alliez pas vous faire passer pour madame Bardu? Et qui essaie d'avoir fait passer pour monsieur Bardu? Pardon, moi, c'est la tante qui l'a décrété. Moi aussi. Assez. Vas-y.
vous êtes les Pardus, c'est fait, c'est fait. Et les Pardus ne se disputent jamais, c'est un couple modèle, comme le nôtre. D'autant plus que toi, tu attends un bébé. Ah bah oui, j'ai appris ça. Et de monsieur. Oh bah oui, c'est complet, il est affreux. C'est... Bah dites donc. Alors, vous, vous êtes très amoureux d'elle. Ah bah, soyez aux petits soins pour elle. Ah, ça va être difficile. Bon, eh, hey, on va dire bonsoir gentiment tous, parce qu'on a du pain sur la planche pour demain. Hein. Allez, au revoir, Nadette. Non, allez, on ne s'éternise pas, on ne s'éternise pas. Excusez-moi, c'est l'habitude, écoutez. Bon, alors, bien entendu, mademoiselle, je prendrai le lit relax. Oh, mais non, moi, je comptais vous laisser le grand lit. Ah, ça, jamais. Vous oubliez que ce lit a été le mien. Non, mais je n'oublie pas, justement. Eh bien, oubliez. Mais ça va pas, Nadette. Chut, mais t'es folle ou quoi? N'oublie pas que Gisèle Bardieu et toi, vous vous adorez. Alors fais comme moi, qui dois afficher une cordialité débordante pour un monsieur dont je me moquais perdument. Oui, ben c'est réciproque. Alors ça, c'est pour tout le monde, hein. Écoutez-moi bien. Si la tante arrive, qu'elle ait un malaise ou quoi que ce soit, je siffle, toi, tu rappliques ici au galop et on fait l'échange. Tout le monde a bien compris. Ouais. Oh, bah, chérie. Oui, mon amour. Ça va, on ne pas, ça recommence. Oh non, vous, Hubert, c'est pas le moment, hein. Vous, Hubert, c'est pas le moment, hein. Au revoir, chérie. Ça va, mon biquet? Non, mais c'est pas vrai. Non, mais je rêve, il lui faut tout, hein. Eh, hey, vous avez vu? Les deux, moi. Oui, oui, oui. Bon, alors, comment nous organisons-nous, nous autres? Quoi? Je dis, comment nous organisons-nous, nous autres? Ne me bousculez pas, là, je déteste qu'on bouscule. Dites, je vous bouscule pas, hein, mais il va bien falloir dormir, parce que je commence à avoir sommeil, moi. Moi aussi. M'a déjà supprimé Deauville, mon samedi, vous allez pas me supprimer mon sommeil. Bon, alors réfléchissons. Ouais. Nos femmes ont chacun leur lit, c'est parfait. Mm-hmm. Nous, on va pas dormir tous les deux dans le même. Oh, ça, il n'en est pas question. Non, ça, il n'en est pas question. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a les lois de l'hospitalité. Je suis votre invité, sous un nom d'emprunt, certes, mais votre invité quand même. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut que je vous donne mon lit, c'est ça? Ah, mais c'est la moindre des choses. Ça va pas l'air de vous faire plaisir, là. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que j'allais vous border, vous chanter une berceuse? Oh, écoutez, hein, cette nuit ne s'annonce pas pour moi comme un enchantement, hein. Dormir avec le mari, avec l'homme qui a martyrisé Nadette. Moi, j'ai martyrisé Nadette. Ah oui, alors. Moi, j'ai martyrisé Nadette. Ah oui, alors. Couchez-vous et ne parlez plus de Nadette. Bon, d'accord. D'ailleurs, ne parle plus de rien. D'ailleurs, je vous parle plus. D'ailleurs, j'ai rien à vous dire. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai martyrisé Nadette. Moi, j'ai martyrisé Nadette. Ah, j'ai martyrisé Nadette. Dites, je pense à une chose. Oui. Deux hommes dévêtus dans un même lit, c'est d'une inconvenance choquante. Choquante. Mais deux hommes habillés de pied en cap peuvent très bien dormir côte à côte. Ah ça, il y a une idée là-dedans. Hein? Ben, regardez dans les trains. Il arrive très souvent qu'on dorme épaule contre épaule avec des individus parfois peu ragoûtants. Je vous l'accorde. En tout cas, plus ragoûtant que vous. Vous êtes gentil. Oui, que, vous, que vous aussi. Ah, oh, tiens, mes joues, merci. Bon, voulez-vous faire un essai? Ok. Permettez que j'ôte mes chaussures. Mais oui. Hein, d'ailleurs, vous avez remarqué que dans les trains, c'est une chose qui se fait couramment. Oui, ça se... Qu'est-ce que vous faites, là? Eh ben, je me rhabille. Je préfère ça. Voilà. Dites-moi, vous dormez de quel côté, en général? Oh, ben, je n'ai pas de préférence. Je suis célibataire, je dors toujours tout seul. Oui, moi, je prends le côté gauche, si ça ne vous gêne pas. Bon, oui, parce que même avec Nadette, je dormais toujours à gauche. Dites, vous n'allez pas me parler de Nadette toute la nuit? Non, je vous demande pardon, je ne parlerai plus de Nadette. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. De toute façon, ça n'a aucune importance, je vous tournerai le dos. Oui, moi aussi, je vous tournerai le dos. Ça va, je vous gêne pas, vous êtes bien là? Bien, c'est beaucoup dire, hein? Je serai mieux quand tu seras avec Nadette. Dites-toi, je croyais qu'on ne devait plus parler de Nadette. Oui, on parle. Hein? D'accord, oui. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, c'est fou la place que vous prenez, hein? J'aurais aussi bien fait de rester par terre, j'avais plus de place. Dites. Oui. Est-ce que vous ronflez la nuit? Non. Et vous, vous êtes somnambule? Oh, quelle horreur! Pourquoi? J'aurais pas à vous envoyer promener, vous auriez tout seul. Est-ce que vous parlez en dormant? Non plus. Oui. Je ne parle pas. Oui. Mais ça vous ennuie, je vais continuer à parler. Oui, de toute façon, on continue à parler parce que moi, je vais mettre mes boules de pièces. Ça, c'est une bonne idée. Oui, maintenant, ça suffit. Hein. Comme ça, au moins, on aura un dialogue qui s'arrêtera. Voilà. Bien, je mets mes boules de pièces. J'en réponds deux secondes. Donc, on peut pas rester comme ça en veston? Si je siffle, la tante arrive. Elle voit les filles en chemise de nuit et nous en veston à 3h du matin. Faut qu'on soit en pyjama. Hein? Faut qu'on soit en pyjama. Hein? Je dis, il faut qu'on soit, sans ça la tante, elle va nous voir en veston et les filles en chemise de nuit, faut qu'on soit en pyjama. Hein?
Je savais qu'il était demeuré ce mec. Je dis. Ah non. Débouchez. Enlevez les deux. Débouchez. Eh. Débouchez. Débouchez. Ah, débouchez. Débouchez. Oui. Voilà. Vous avez rien entendu. Mais j'ai rien entendu. La tante, elle peut pas nous trouver en veston. À 3h du matin, les filles en chemise de nuit, nous en veston, faut qu'on soit en pyjama. Mais au cul, je suis à mort. Il n'en est pas question. Ah, il n'en est pas question. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est très simple. J'ai une idée. Toute bête, toute bête, toute bête. Nous allons passer nos pyjamas et nous n'allons pas nous coucher. Ah oui? Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on va faire toute la nuit? Mais on va rester debout. Hein? Oh, t'es debout toute la nuit sans rien faire. Eh oui. Ah, vous avez de bonnes idées, vous, Touraine, hein? Alors, si vous en viens l'autre comme ça, vous me le dites. Voilà, vous avez un cabinet de toile pour vous changer. Oui, merci, je fais. Ah oui, c'est vrai. On va se coucher. Ah, dites, au fait, oui. Cher ami, je pense à une chose. Ça vous arrive de penser? Je peux vous l'exposer. Dites donc, j'ai pas fini, hein? Non. Je fais. J'étais en train de me dire la chose suivante. Oui. Deux hommes en pyjama à l'intérieur des draps, c'est inconcevable, hein. Oui. Qu'en pensez-vous? Mais dites donc. Pardon. Hein, mais deux hommes en pyjama au-dessus des draps, c'est tout autre chose. Ouais. Regardez dans les trains, hein. Dans les trains? Mais oui, les couchettes. C'est sur deux plans, vous me direz, mais ça m'a... Hein? Je vous dirai rien du tout. Je vous dirai rien du tout. On est d'avoir une autre train. Mais une très, très bonne... Oh, ça... Une très, très bonne idée. Mais... Qu'est-ce qui peut être acceptable? Une couchette, aidez-moi. Oui. Dites-moi. Oui. C'est du bois, c'est très dur de bois. Mais oui, mais je vais mettre un matelas. Ah, bon. C'est ça, oui. Alors comme ça, moi, je dormirai sur le sommier. C'est hein. Ça. Hé, oui. Hey, vous oui. Sur le sommier? Oui. Et moi, sur le matelas. Oui, dites, vous êtes sûr que ça va tenir, ça? Ah, oui, quand je serai dessus. Ah oui, encore faut-il y arriver dessus, hein? Hé, hey, dites-donc, comme ça, vu de nez, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah, écoutez, l'illusion est parfaite, hein? Un vrai magouli. Dites-donc, vous prenez la couchette du bas ou du haut? Celle du haut. Oui, moi aussi. Oui, oui, mais comme je suis poli, je vous la laisse. Merci. Ah! Oh. Eh ben, je vais vous dire, je suis très bien! Ouais! Mais ça vaut pas le train bleu, ça! Hein. Oui, dites-nous à propos de train bleu. Oui. Vous avez la veilleuse à votre main droite, vous pouvez la mettre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Main droite. Voilà. Voilà, merci. Oh. Une fois, dans le train bleu, ouais. La dame du dessus a dégringolé. Et alors? Et alors, rien, bonsoir. Mais comme d'habitude, c'est complètement stupide ce discours. Hé, vous voulez que je vous fasse une confidence? J'adore les wagons-lits. Je ne sais pas pourquoi, j'adore l'ambiance des wagons-lits. C'est bizarre, hein? Quoi? Vous n'allez pas parler toute la nuit, là, hein? Pourquoi? Non, parce que j'ai envie de dormir, moi. Bon. Hein? Non, et puis déjà j'ai une de ces angoisses alors. Quelle angoisse? Que vous me tombiez dessus. Mais non, bon fils. Non, et cessez de bouger tout le temps, hein. Mais je bouge pas. Alors c'est le mouvement du train peut-être, hein. Dis donc, si vous voulez, à Lyon on change de couchette, hein, bonsoir. Je l'espère bien. Mais quelle chaleur là. Oh, je suis sûr que le chauffage est au maximum. Vous avez mis la mallette à fond. Je n'ai pas touché à la mallette du chauffage. Alors, est-ce que vous pourriez ouvrir un peu la glace parce que... C'est ça, faut prendre une bouteille de bière entre les deux yeux. Il est fou celui-là. Il est impossible. Ouais. Écoutez, moi, je vais aller lire le journal dans le couloir. Ah, mais arrêtez de bouger tout... Ah ça... C'est exactement ce qui s'est passé dans le train bleu. Stop. Yeah. Votre idée est idiote. Et pourquoi? Je siffle. Oui. La tante arrive. Oui. Tête de la tante devant la couchette. Eh bien, vous direz que c'est pour amuser la bonne. Non. La bonne est idiote, pas la tante. Allez, enlevez-moi ça. Dépêchez-vous. Venez m'aider. Oui. J'ai une autre proposition à vous faire. Allons-y. Je vous écoute. Oui. Vous avez fait votre service militaire. Ah non. Je n'ai pas fait mon service militaire pour la bonne et simple raison. C'est que j'ai été réformé. Je le savais qu'il avait été réformé. Eh, vous avez jamais monté la garde alors? Ah non. Ah ben c'est dommage parce que on aurait pu se relayer tous les deux heures, vous voyez? Toutes les deux heures, on se relève. Oui, vous voulez dire qu'on se recouche? Non. En termes militaires, on dit on prend la relève. Ah d'accord. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ah c'est pas mal. Vous êtes preneur? Tout à fait. Moitié-moitié? Moitié-moitié. Vous prenez le premier tour? Si vous voulez, j'ai pas sommeil. Alors, écoutez, c'est simple. Accordons nos montres. Oui. Quelle heure avez-vous? 10h24. 10h24. Top, top. Eh bien, vous me réveillez à 0h24. Absolument. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. Okay, avec tant des draps, c'est quand même un peu mieux. Dites. Oui. Vous n'avez pas gardé la fenêtre ouverte, là, hein? Ben, si, puisqu'il faut que je siffle pour les filles. Ah oui, c'est juste. Bon. Qu'est-ce que vous faites là? Je lis, ça vous dérange? Oui, la lumière. Très bien, je n'irai pas.
Qu'est-ce que vous faites là? Je t'ai fumé une petite cigarette, ça vous dérange? Oui, j'ai la gorge prise. Qu'est-ce que vous faites là? Je monte la garde dans ma petite jerrite. Dites, vous n'auriez pas un oreiller supplémentaire parce que j'ai la tête un peu basse? Mais si vous l'avez du nom! Ah, vous savez pour l'avez du nom! Est-ce que préfère de belle nuit la lettre? Hantée! Hantée! Oh, la tontine! Hantée! Hantée! Je mets la lettre! Elle dort, elle dort, elle dort! Je veux juste lui faire une petite bise! Non, non, non! Mais elle est double là-dessous, jamais elle a ronflé comme ça! Jamais, jamais, venez, qu'est-ce que vous vouliez? Un oreiller, vous l'avez deviné! Je vais vous en chercher un! Mais vous l'avez dans les bras! Hein? Ah oui, ah oui! Mais il n'était pas pour moi! Si, 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 prenez-le, prenez-le! Et restez pas là, vous allez prendre froid! Ah, oh, c'est la tête! Oh! Ben vous voyez, je vous l'ai dit! Ah, là, 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 là. On est en plein courant d'air ici, vous êtes... Elle est très prise! J'ai du sirop des hauts plateaux du Tibet, je vais le chercher! Au Tibet? Dans ma chambre! Dommage! Au Tibet, Tibet! Pas d'alerte! Ça y est, l'arme est passée, sortez de lui! J'ai bien fait de ronfler, hein! Oui, mais pas l'éternuer! Allez, sortez de lui! Qu'est-ce que vous cherchez? Mes pantoufles! On s'en fout de vos pantoufles, oui, les pieds nus! C'est ça, je vais attraper la mort! J'ai mes chaussures, mais j'ai pas les pantoufles! Hey, pst, pst. Oui! N'oubliez pas de dire à Nadette que vous lui avez donné un rhume! D'accord! Elle oublie, mais qu'est-ce qu'elle fiche? Je n'oublie pas! Voilà le sirop! Ah! Bloquez-vous! Non, papa! Ah! Vous allez voir, c'est souverain! Eh ben, c'est le bec! Ben, forcément, tant qu'il vous l'avez réveillée! Ben, de toute façon, il fallait bien la réveiller pour son sirop! Mais oui! Alors, où est-elle? Hein? Elle va arriver! Bertrand! Bertrand! Oui! Vous avez un chien? Non, non! Mais pourquoi sifflez-vous comme ça? À tous les soirs à 10h27, je chiffre, moi, ça me dégage! Mais elle n'est pas dehors avec son rhume! Non, non! Elle est dans le cabinet de toilette! Oh. Donnez-moi le sirop, je lui donnerai, moi! Non, pas vous! Elle a horreur de ça! Allez, ne fais pas l'enfant, bois ton sirop! Elle va pas le prendre, elle boude! Oh, mais arrête de bouder! Tiens! Elle l'a bu? Oui, oui, elle l'a bu. Je vais t'en donner une autre petite cuillerée. T'es sourde! Enfin, Nadette! Mais où étais-tu? Eh bien, tantine! Où est-ce qu'il est passé, lui? Quoi donc? L'enfant ne plaisante pas avec la santé! Tiens, prends ton sirop. Du sirop ou quoi? Tu suronfles comme une toupie, tu éternues comme un stentor. Moi? Oui, oui, mais en dormant, alors tu peux pas t'en rendre compte, bois. Non, pas toujours, si, si, si. Si, c'est bon, c'est bon. Ça ne peut pas faire de mal, ça. Ah non! Tu es glacé. Allons, Bertrand, mets-toi au lit et réchauffe-la, que bien. Non, je veux dire, je vais lui passer mon rhume. Eh ben, tu lui passeras. Un homme, ça doit se dévouer. Allez, couchez, voyons. Oh, là, 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 là. Serre-toi bien contre elle pour la réchauffer. T'es tout brûlant, toi. Mais c'est une bouillotte, cet homme-là. Alors, si ça va pas mieux, vous m'appelez, hein? Bertrand, ouais. Hé, vous me sifflez? Ah, mais c'est une bonne idée, ça, mais... C'est ça, faut la siffler aussi. Allez, je peux être brûlant parce que j'ai eu chaud, là. Dis donc, ton adjudant, je sais pas où tu l'as trouvé, mais il a le képi enfoncé jusqu'aux oreilles. Hein. Oh. Dites, vous êtes pas très pressé de siffler, là, hein? Eh, je peux prendre une minute de repos, non? L'alerte a été chaude. Oui, oui, elle aurait mérité une grande, grande, grande sirène. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que j'étais enrhumée? Mais parce que c'est moi qui le suis. Oui, alors merci bien, après c'est moi qui bois votre sirop. Ah non, c'est moi. Oui, c'est... Eh, non, moi aussi j'en ai bu, on en a tous bu. Oui. Qu'est-ce que tu cherches? Mes ballerines. Elles sont là, chérie, elles sont là. Viens, je te les mets. Viens, ma puce, viens vite. Non, là, assieds-toi. Bref, là, je vais complètement. Ma chère Nadette, hein, je vous serais gré de ne pas prolonger cette intimité, surtout dans une tenue aussi intime, même devant deux intimes. Mais je vous laisse. Oui, et d'autant que Dolly doit être très inquiète. Alors, va la rassurer. Dis-lui de ne fermer qu'un œil et de tendre l'oreille. Oui, c'est pratique pour dormir, ça. Dites, vous allez me lâcher, là? Non. Oui. Alors ça y est, hein? Quoi? Dès que j'ai le dos tourné, vous en profitez pour me démolir aux yeux de Nadette. Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, la vie d'un monde, hein? Oui. Oh là là. Oh, bon. Alors que unis dans une chambre et une épreuve commune, je me rapprochais de vous. Dis donc, on s'est assez rapprochés, hein? Vous êtes contre ce deuxième mariage de votre femme? Bah alors là, pas du tout. Oui. C'est ce qu'on dit, ça. Non? Oui, oui. Vous êtes psychologue de métier, vous auriez pu être de très bons conseils. Dorignac, c'est pas l'heure de me demander une consultation. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, voyez, je me couche. Ah, vous vous couchez? Dites, je vous signale que c'est encore mon tour, hein? C'est pas vrai. Eh bien, oui. Si, c'est vrai. Quelle belle nuit, je fais pas. Mais quelle belle nuit, je fais pas. Je vous remercie. Là. Oh là là, ça va. Mami, mais, dorémi, mais. Il a pris froid.
Prévost. Et la Prévost. Tant mieux, tant mieux. Oh là là, vous auriez du sel de cuisine. Du quoi? Est-ce que vous auriez du sel de cuisine? Non, dites, voyons comment je suis, du sel de cuisine, puis quoi encore? Pourquoi faire du sel de cuisine? Ah, c'est un gargarisme, parce que je... Il y a une armoire à pharmacie dans le cabinet de toilette, il y a sûrement ce qu'il faut pour vous gargariser. Merci. Profitez-en pour fumer une petite cigarette, alors. Merci, madame Tudor. Profitez-en pour fumer une petite cigarette, mon vieux. J'avais pas pu s'enrayer parce que je suis en train de me bosser. Vous voyez pas un peu de sel de cuisine parce qu'il faut que je me gargarise. Eh, j'ai jamais vu un mec comme ça. C'est effrayant. J'aurais jamais pu être sa femme. C'est là, monsieur Bardu. Mais c'est la mousson. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Bardu? Vous voyez, madame, je me gargarise. Enfin, vous avez changé de chambre, tous les quatre? Ah, pas du tout, pas du tout. Mais où sont passés les canards? Les canards! Et les canards, vite, mon fusil. Enfin, je me rêve. Bon. J'ai laissé Bertrand et Nadette dans ce lit, amoureusement enlacés. Hein? Vous êtes sûr? Bah, évidemment, ils étaient bien dans ce lit, non? Oui, 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 mais amoureusement, ça, non. Pourquoi? Ils se sont disputés? Ah, non, 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 non. Eh ben alors? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi vous gargarisez-vous dans leur cabinet de toilette? Je vais vous expliquer, chère madame. C'est ma femme. Vous voyez qui c'est? Ah bah oui, madame Bardu. Celle-là, oui. Eh ben, elle a été prise d'un malaise, soudain. Non. Si. Alors, je n'ai fait qu'un bond, hein? Votre neveu est docteur. Ils sont à son chevet tous les deux. Tout simplement. Et pendant ce temps-là, vous vous gargarisez. Ah ben comme ça, en passant entre deux portes. Allez, mais attends. Où allez-vous là? Ah, près de votre femme. Non, pas fini. Faut pas y aller, faut pas y aller. Non. Les visites sont interdites. Mais non, pas à moi, j'ai mon brevet de secours. Qu'est-ce qui peut m'énerver? Hé, j'ai une bonne idée en ce moment. Bonne nuit, mon adjudant. Bertrand, vite la tontine! Quoi la tontine? Elle a voulu rentrer dans la chambre, heureusement, Hubert l'en a empêché! Dorignac? Mais où est-ce qu'il est, Dorignac? Il est plus là, où est-ce qu'il est passé? Et pourquoi est-ce que tontine veut rentrer chez le Bardu? Mais j'en sais rien, moi j'ai filé comme une plage! Eh, pas de panique de toute façon, les couples sont reformés! Voilà! Ah! Dorignac, tu dors de la fenêtre grande ouverte à présent! Il s'étonne d'être enrhumé! Eh bien, vous êtes déjà de retour? De retour, madame? Oui, on est de retour, oui. Comment va-t-elle? Mieux, elle ronfle plus du tout, le sirop du Tibet lui a fait beaucoup de bien. Mais pas Nadette, je vous demande des nouvelles de Madame Bardu. Madame Bardu? Ouais. Elle va très bien, Madame Bardu. Ce malaise. Elle a eu un malaise, vous pouvez... Mais vous en venez. Mais qui c'est qui vous a dit que Madame Bardu a eu un malaise? Son mari, tiens. Mais de quoi il se mêle, celui-là? Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller lui dire ça? Tu sais qu'il devient insupportable, il devient insupportable. Là, il se passe quelque chose, il ne veut pas m'inquiéter, c'est donc si grave? Mais non, elle a rien, c'est lui! Vous avez pas vu comment il est? Il y a part et oreiller à part et du sel de gargarisme! Il a beaucoup changé, Bardu, hein, je suis à sa femme. Et pourquoi n'a-t-il pas voulu me laisser entrer? Non, ça je lui donne raison, il faut pas traumatiser les malades. Ah! Vous voyez bien qu'elle est malade! Mais elle a rien, trois fois rien! Oui, oui, oh, trois fois rien à bout, évidemment, si c'est pas votre femme! Que... Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est pas votre femme, alors ça vous est complètement égal! Mais non, c'est pas ma femme, mais c'est pareil, parce que c'est quand. Je l'aime beaucoup, cette grande amie. Donc si je vous dis qu'elle risque rien avec son mari, c'est qu'elle ne risque rien. Oui. Voilà. Eh bien, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, je suis pas tranquille pour elle. Madame Bardu, comme Nadette, attend un enfant, mais ça, bien sûr, un psychiatre, ça lui passe très, très au-dessus. Où est-ce que vous allez? Je reviens! Eh, hey, chapeau ton adjudant, hein. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais chapeau. Reste là, elle revient, t'as pas entendu? Tout ça devient ridicule. Dis, prends-toi à ton adjudant. Tu crois que je m'amuse, moi? Dis, je suis garde. T'es force de fumer? T'es force de lire? Je ne peux coucher quand tu es là et tu n'es là quand ton mini est là aussi. Hein. Tu parles, dis donc. Je ne veux plus attendre un bébé. Mais puisque t'en attends pas? Oui, mais moi, ça m'a donné envie d'en avoir un, là. Oh, allons, bon. Bah, attends un peu, t'attendras plus. Encore qu'avec ton adjudant, tu risques d'attendre longtemps. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, c'est ce que je voulais faire une farce à un judo parce que c'était encore son. Oh! Regarde s'il a trouvé le chien, un gros cactus. Hé!
conducteur, j'ai aboyé, j'ai pas sifflé. Oui, oui, on va faire bien évidemment, hein. On s'amuse trop bien sans moi, hein. Je suis juste bon pour le wagon-lit. Sortez, notre mini va revenir. Je ne sortirai que lorsque Nadette sortira d'ici. Nadette, il va nous mettre dans le boudoir. Ah, vous y êtes déjà, alors. Attends, c'est de votre faute, hein. C'est de votre faute, parfaitement. Alors non seulement vous collez un rhume à ma femme, mais faut que vous collez un malaise à la vôtre. Alors ça, c'est vrai, Hubert. Mais comment, quoi? Mais je me gargarisais, moi. Qu'est-ce que je pouvais dire, hein? Puis vous êtes docteur, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dis donc, c'est pas parce que je suis docteur qu'il faut mettre toute la maison en arrêt de maladie. Oh, attends, cachez-vous. Non, pas par là. Dorignac, oui. Sortez là-bas. Oui. Dorignac, oui. Mais canard. Oh, non, c'est toi. Oui, c'est moi. Moi, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. Oui, ben j'ai appris ça. Non, va te coucher. Tantine est partie te soigner. Dis-donc. C'est une raison pour te prélasser au lit avec ta femme. Mais oui, chérie, elle va revenir. Elle va revenir. Filez tous les deux. Quoi? Je sifflerai pour le transfert. Dépêchez-vous, elle va revenir. Dépêchez-vous. Bertrand. Oui. Tu as le salaud. Oh, il me l'a renvoyé. Hé, éteignons. Parce que sans ça, elle va passer toute la nuit à jouer les infirmières, alors qu'il y a quelqu'un qui est malade. La cantine. Hein? La cantine. Pas par là. Ouh, non, pas par là. Là-bas. Vous dormez. Oh, oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est les Bardus, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Bardus? Ils ont disparu. Oh, ben non. Mais non. Mais si, j'avais porté une bouillotte à Madame Bardu, personne. Mais ils doivent pas être loin, les Bardus. Oh, si, je sens. On se cache quelque chose, c'est grave. Monsieur Bardu a dû conduire sa femme à la clinique. Mais non, il a dû lui faire prendre l'air dans le jardin. Pourquoi? Les yeux. Y allez pas, vous allez prendre froid. Oh. Vous entendez? Non. Non. Il y a quelqu'un dans votre cabinet. Mais non, c'est rien. C'est mes dossiers qui travaillent. Oh, ben ils travaillent dur. Oh, Bertrand, j'ai peur. Poussez-vous, Bertrand. Oh non. Si. Oh ben non, vous n'allez pas monter aussi. Il pique comme ça dans ce lit. Oh là là. Il y a un homme. Comment un homme? Pourquoi pas Bardu pendant que vous y êtes? Arrêtez, tantine. Non, je vais pas y aller parce que je me connais, je suis tellement courageux. Moi, si je le vois, je le tue, alors je me connais. Tant pis, je vais moi-même. Tantine, allez vous coucher, on vous adore. Nadette dormait, elle est crevée, on dormait profondément. Eh bien justement, quelqu'un a très bien pu entrer pendant votre sommeil. Sortez, si vous êtes un homme. Monsieur Bardu, vous avez fait de cette femme, qu'est-ce que vous faites? Ben, je voyais, je promène ma femme. Eh oui, il est comme ça, Bardu. Allez, vous coucher, les Bardu. J'ai une idée. Puisque vous êtes souffrantes, les deux mamans, pourquoi ne couchez-vous pas ensemble dans la chambre à deux lits? Ces messieurs vont se dévouer, ils partageront le divan lit. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les hommes avec les hommes, les femmes avec... Comment est-ce qu'on n'y avait pas pensé plus tôt? Quelle bonne idée, tantine. Allez, Nadette, tu laisses ta place à monsieur Bardu. Oh, avec plaisir. Dites, ah ben comme ça change tout, hein. Allez, maintenant, vous allez dire bonsoir à vos petits maris. Bonsoir. Oh, regardez-moi ça. Ça devait arriver. Hein? Elle confond. Voilà. Deux canards de plus. Une vraie coupée. Je réponds. Allô, oui? De la part de qui? Madame Bardu, de Pontoise. Ah non. Oh là. Papa, les canards. C'était le même qui nous a mis dans le lit. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Mais si permis de siffler, paraît que ça réveille les ronfleurs. Vous avez bien fait. Merci, donnez. Tiens-moi ça. Mais moi aussi, j'ai commandé un chocolat bien crémeux. Il est fait, mais je savais pas que monsieur coucherait avec monsieur. Là, ouvrez les rideaux avant de partir. Bien, monsieur. Voilà, ouvrez aussi les fenêtres parce qu'il fait beau. Bien, messieurs. Voilà, et bon voyage. Oh, ça, je dois dire qu'avec monsieur, j'en vois du pays. Bonjour. Eh, on peut être poli, hein. Oui, vous ne m'entendez pas? Si, je vous entends. Mais je ne vous vois pas. Je vous ai supprimé de mon existence.
Votre présence dans mon lit est absolument insupportable. La vôtre aussi, mais insupportable. Alors faites comme moi, supprimez-moi. Vous êtes dans votre lit, je suis dans le mien, chacun chez soi. Soit. À propos, avez-vous passé une bonne nuit? Alors, épouvantable. Tant mieux. Dites, est-ce que vous preniez toujours le petit déjeuner au lit avec Nanette? Le dimanche matin, toujours. Vous mettez la radio? Oui, le dimanche matin, toujours. Nanette a horreur de ça, je vous signale. Qu'est-ce que c'est censé être ce que vous faites là? Bah, une surprise. Hey, vous en avez besoin, hein, surtout là-haut, parce que Nanette est blessée un peu carré, vous voyez. Et alors? Ah, Nanette! Pour qui viens-tu? Mais pour lui, pour moi, pour vous, Hubert. Oh, Nanette! Quelle nuit odieuse! Si loin de ce monsieur! Ça va, je vous dérange pas, vous allez renverser mon chocolat. Où c'est vous? Comment est Tantine? Ça va, mais bon. Alors toujours ces petites traditions. Eh oui. Le dimanche matin, les maris doivent faire la grasse matinée avec leurs femmes. Eh oui, toujours. Eh. Dorignac, vous êtes en train de vous beurrer la manche. Bon, alors Hubert, je suis désolée, mais je vais vous demander votre place. Avec plaisir. Enfin, avec plaisir de la quitter, mais pas de vous la donner. Rassurez-vous, la grasse matinée avec Nanette, c'est le mari debout, Nanette dans le lit. Oh, vous êtes adorable. Oui, toujours le matin, j'ai un très joli toit. Mais non, pas vous. Vous êtes adorable. Oh, je vous avais jamais vu au réveil, mais vous êtes exquise. Oui, alors ça, je me demande si je vais bien le prendre. Encore plus exquise. Oh, délicat là-dessus, non. Non, vous pouvez nous laisser une minute. Eh bien oui, une minute avec ma femme, la matinée avec ma maîtresse, mon pantalon. Quoi, votre pantalon? Vous êtes assis sur mon pantalon. Tenez-moi ça. Il lui faut tout. Il lui faut tout. Ma femme, ma maîtresse, mon pantalon. J'apportais le chocolat de monsieur. Eh bien, je le prendrai dans ma chambre avec ma femme. Quel jus d'orange? Eh bien, je le prendrai avec mon mari. Quel nique-mac! Oh, la tête! Tantôt je suis l'amant, tantôt je suis le mari. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui passe? Mais pourquoi vous parlez? Qui embrassez-vous comme ça, monsieur Bardu? Mais qui voulez-vous que j'embrasse? C'est votre femme, bien entendu, mais c'est curieux, je ne l'avais pas reconnue. Eh ben moi non plus, tenez, mais vous savez, le matin, au réveil, on n'est pas les mêmes. Oh là là, qui dites-vous? Mais ne vous cachez pas, madame Bardu, vous savez ce que c'est que des poches sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais allez, qu'elle est méconnaissable, qu'elle est affreuse. Ça vous gênait pas beaucoup pour l'embrasser? Ah non, mais ça c'est pas galanterie, mais je peux vous assurer qu'elle est horrible. Mais alors, on dirait le fantôme de l'opéra, voici. Madame, à bientôt quand on aura retrouvé son vrai visage. Mais il en reste, le chocolat. Bertrand, mon piquet, vite, profite-en. Où est-ce qu'ils sont passés? Oh, mais vite, je te dis, c'était long. Mais oui. Oh, bah non, voilà que ça a l'air. J'apporte le jus d'orange. Oui, bah je le prendrai dans ma chambre avec mon mari. C'est pas une mademoiselle, c'est une madame. Alors posez-le là, je le prendrai avec ma femme. Et arrêtez de discuter comme ça tout le temps. Oh, je discute pas. C'est pas une maison ici. C'est une maison. Oh. Allez, file, c'est très imprudent, chérie. Oui, je sais, mais c'est excitant. Urci. Oh. Gagné. Qu'est-ce qui nous danse? Le tango, Tantine, le tango. Eh ben dis donc, c'est la joie dès le matin. Mais c'est normal, Tantine, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Allez, souhaite bon anniversaire à Tantine Nadette. Anniversaire, Tantine. Oh ben madame Barry, mais ne vous sauvez pas. Non. Ah, oh, quelle merveilleuse idée, Nadine. Gisèle. Oh, vous avez vu le déguisement qu'elle a trouvé? Oui, moi je trouve que ça fait pas très frais. Nadette, c'est dommage que tu puisses pas voir. Gisèle, elle a un déguisement super. Elle a un pyjama, tu vois, et alors elle a les cheveux pris dans une serviette de toilette, tu vois, des serviettes qu'on trouve dans tous les cabinets de toilette. Et alors, ce qui est drôle, c'est que sur le visage, elle a un masque de maquillage. Tiens, les masques, comme il y en a dans le troisième tiroir sous le lavabo. Tu vois, tout normal. Voilà. Des jumelles, quelle horreur. Nadette, Bardu, souhaite bon anniversaire à Tantine. Enlevez-moi ça. Bon anniversaire. Voilà, encore. Et maintenant tous ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tante Mini. Joyeux anniversaire. C'est ma fête. Oh, ben qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous allez? À qui est cette valise? C'est ma valise. Et cette fois-ci, c'est moi qui m'en vais.
Alors, vous pouvez continuer à chanter si vous voulez. Elle n'en veut plus. C'est tous ces petits déjeuners qu'elle est obligée de servir. Premier service, deuxième service, et puis tous ces voyages. Tous ces pas mes voyages, c'est les vôtres à tous les quatre. Parce que prendre les commandes, ça va. Mais pour la livraison... Faut pas faire attention à force de jouer au train, elle déraille. Et les voisins qui ont passé leur nuit au balcon, ils déraillent, eux. Ils ont dit comme ça que vous étiez les champions du chassé-croisé. Du chassé-croisé? C'est typique du délire verbal, ça. C'est du délire verbal. Et je te siffle, et on change. Et je te siffle, et on change. Et c'est la femme de l'un, et c'est la femme de l'autre. Et c'est la femme des deux, et c'est la femme de personne. Avec un doigt de confusion mentale. Bon, c'est moi qu'on montre du doigt chez les commerçants. Alors, adieu tout le monde, je ne tiens pas à être compliqué dans une affaire de mœurs. Eh ben voilà, c'est ça, adieu, partez, voilà. Voyons mon petit, reprenez-vous. Non, pas du tout. Alors, tenez, voilà exactement 3 mois de salaire. Mais tu vas pas la laisser partir dans cet état. Si, 6 mois, voilà, 6 mois. Oh, voyons, mais en fait, tu la soignes plus. Non, j'ai essayé, elle est incurable. Voilà, dis-moi. Laisse-moi lui parler. Ah non, pas surtout pas. Elle est en train de le devenir. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai, 12 mois, 3 quarts, bonsoir, bon voyage. Mais enfin, laisse-moi faire ça. Ça va te coûter beaucoup moins cher, alors mon petit, venez là, voilà. Alors, à moi, vous ne m'en voulez pas. Oh non, nous on est logés dans le même compartiment. Eh ben alors, on peut s'entendre, hein. Laissez-moi avec elle. Ah mais alors, ça peut bien, non. Tu as peur pour sa tête? Non, j'ai peur pour votre cœur. Alors, ne me contrarie pas. Là, vous allez la retrouver tout à fait calme. Bon. Non. D'accord. Eh ben alors, parle-lui. Allez. Je veux lui parler seul. Ah non. Venez, mon petit, quand on me contrarie comme ça, moi je sens le malaise qui monte. Bon, eh ben attends, c'est pas grave. De toute façon, tantine, c'est très bien que la petite est un petit peu... Un petit peu, complètement, hein. Voilà. Mardi, il l'a vu. Oui. Il y a les rails qui sont parallèles. Il y a des douillages qui sont un peu moins. Allez. Bon, alors maintenant, parlons sérieusement. Bien, madame. Chut. Vous n'avez pas encore compris? Moi, je comprends rien. Mais ce sont de faux couples. Les vrais couples, c'est mon neveu avec ta dette et Bardu avec ma nièce. Oh, ben ça alors. Vous vous en étiez pas aperçu? Ben si, mais je savais pas que madame savait. Chut. Eux ne savent pas que je sais. Attendez. Ah, eh bien, la bonne que vous avez remplacée est de Vaux-les-Moselotte. Alors, quand elle est rentrée, elle m'a raconté tout ce qui se passait. Oh, ben ça alors. Une minute. Et vous ne savez pas le plus drôle? Bardu, eh ben c'est pas Bardu. Le vrai Bardu, il est toujours à Pontoise, je l'ai eu au téléphone. Ben alors qui c'est le grand échalas? Je sais pas. Un polichinelle dont ma pauvre petite Nadette est allée s'amouracher. Mais si madame savait, pourquoi qu'elle les laisse faire? Ah ah, ça mon petit, c'est mon secret. Bon, alors maintenant, on fait équipe toutes les deux. D'accord. Alors, bien entendu, je ne vous ai rien dit. C'est vous qui m'avez raconté tous les ragots du quartier. Alors, on entend toutes ces horreurs. Oh, pauvre madame. Non, mais vous apprenez pas, j'ai un cœur de battant. Ah, madame est déjà guérie. Mais je jamais été malade. Et les gouttes? C'était de la grenadine. Alors, allez-y maintenant, appelez-les. Eh, on va bien rigoler. Oh, non, soyez affolés, criez. Vite, venez, madame a une syncope. D'accord. Venez vite, madame a une syncope. C'est mon ragot, espèce de folle. Ça la périt. Tantine. Mais tu vois bien qu'elle n'entend rien. Elle n'entend rien. Faites quelque chose, vous. Qui est bon? Mais c'est vous, docteur. Les gouttes. Non, c'est trop tard pour les gouttes. Elles sont pourtant bonnes, les gouttes. Alors, vous, la folle, ça suffit. Bon, pas de panique, pas la folle, non. Prenez-lui le pouls. Quoi? Le pouls. Oui, il a raison. Enfin, pas elle, Tantine. Je ne sais plus où j'en suis. Tantine, il me faudrait une montre. Personne n'a une montre. Si, j'ai une montre. Donnez-moi. J'ai une montre. Voilà. Merci, Dorian. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joli. Oui, c'est un cadeau de ma mère. Non, je parlais du pouls. Joli, le pouls, tiens. Bon, dis donc, je fonce chez Piégel. Oui. Toi, tu vas à la pharmacie. Je le tire du lit, je t'y jette. Toi, tu reviens avec des ampoules. Toi, va me chercher une seringue. Dorian, ouais. Vous restez ici avec la tante. Vous lui faites du bouche à bouche chez les SS. Bouche à bouche. Vous, allez faire bouillir de l'eau pour une bouillotte. Non, mais je ne peux pas laisser Dantine toute seule, enfin. Viens, je te dis, le pouls tient. Quand le pouls tient, tout tient. Viens vite. Docteur! Oui! Ma montre! Sa montre! Sa mère! Ma femme! Mon pantalon! Voleur! Mais non, je pourrais jamais lui faire le bouche à bouche, enfin, ouais. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, hein. Oh, elle est nerveuse. Oh, elle revient. Venez m'aider. On va la faire marcher un petit peu. Allez. Vous croyez que c'est bon pour les cardiaques? Mais oui, c'est très bon pour les cardiaques. Ah, on a sonné. Eh ben, allez ouvrir. Bien, monsieur. Non, ne me laissez pas seul avec elle, hein. Oh.
Ah oui, c'est vrai, le bouche à bouche. Ah non, pas le bouche à bouche. Bonjour. Ah, le docteur, déjà. Non, je suis un de ses amis. Elle est malade. Elle a eu le chacor. Ça y est, elle va bien. J'ai tant de mini, sans doute. Mais oui, oui. Revenez, madame, revenez, revenez. C'est monsieur Bardu. Ah, vous saviez que je venais? Mais non, par où? Mais pourquoi avez-vous dit c'est monsieur? Écoute. Oui, écoute, oui, attention, chez Bertrand. Oui, oui, tout de suite, madame, tout de suite, tout de suite. Prenez-la. Écoute, chez Bertrand, écoute, chez Bertrand. Oui. Vous êtes le vrai Bardu? Oui. Ah, oh, mais ça va mieux, je ça vois. Ça va très bien, mais vous êtes très en avance. Au téléphone, je vous ai dit pour le déjeuner. Il faut vous cacher, monsieur Bardu. Me cacher, mais pourquoi? Par ici, mais je crois. Non, mais, qu'est-ce qui se passe ici? Et où est Bertrand? Je vous raconterai tout, mais cachez-vous. Mais non, non, pas par là, dans ma chambre. La chambre d'Ali, vous la connaissez? Non, mais qui est ce monsieur? Je ne sais pas. Et comment savait-il qui je suis? Il ne le sait pas, il ne sait même pas qu'il est lui-même. Allez, alors vous, vous savez une chose. Je suis malade et mon neveu me soigne. Oui, oui, oui. Et vous ne bougez pas de la chambre. Non, non, non. Si j'ai besoin de vous, je vous cite. C'est ça, pauvre femme. Ah, puis ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, écoute, ça y est, je l'ai goûté, madame. Mais il est passé le croque-mort. Ça va, madame, vous vous sentez mieux? Oh, tout doux. Oh, je me souviens. La bonne. Les horreurs. Laissez-moi. Mince! Oh non, mais enfin, madame, vous n'avez pas cru tous ces ragots! Colporté par une malade mentale! Non, ne les aurais-je pas cru après ce que j'avais vu? Et qu'aviez-vous vu? Monsieur Bardu, ce n'était pas votre femme que vous embrassiez, c'était Nadette, ma nièce! Bon, à vous, madame Bardu, c'était Bertrand, et fougueusement! Non, c'est pas possible! Vous devez confondre! Non, mais ne me contrariez pas! Non, attendez, calmez-vous, on avoue! Oui, oui, on avoue. Moi qui vous prenais pour un couple exceptionnel. Ah, ça, pour être exceptionnel, il l'est, madame, il l'est. Mais je peux vous jurer sur la tête de ma mère que je n'ai jamais trompé... Moi aussi, enfin, moi je vous jure que je n'ai jamais trompé, comment c'est déjà... Hubert. Oui, ça je vous crois. Bon, alors maintenant, regrettez-vous sincèrement votre faute? Oh, oui. Et vous pardonnez-vous aussi sincèrement? Oh, oui. Eh bien alors, embrassez-vous! Hein? Oh, non! Et pourquoi? Mais pas devant vous. Voilà. Enfin, vous n'avez rien à cacher. Et non, bien sûr. Non, ben, bon, ben, viens. Non. Il recule. Ah, voyez-vous, lui en voulez encore? Mais non, je l'adore. Oui, vous savez ça, on s'adore. Hein? Bon, allez, écoute, embrassons-nous. Hein? Voilà, c'est tout. Eh ben, vous étiez plus fougueuse avec mon neveu. Et vous êtes ma nièce. Comprenez-moi, chère madame. J'ai reçu une certaine éducation. Embrasser une femme en public est pour moi le comble de la vulgarité. Vous pouvez demander à Nadette... à Bertrand. D'ailleurs, vous avez vu dans quel embarras je me trouvais tout à l'heure quand vous m'avez surpris. Ah, je comprends, c'était la femme de votre ami. Ah non, maintenant, c'est la femme de... C'est plus embarrassant. C'est que la bonne a dit vrai. Vous n'êtes pas un vrai couple. Bon, allez, viens, mon chéri. Mais je suis fiancée. Moi aussi. Mais pensons à eux, hein. Vous, monsieur Bardu. Oui, sortez. Ça, c'est un baiser. Il est tout chavireux. Ma parole, on dirait que c'est la première fois. Ouais, en tout cas, il y avait longtemps. Hein. C'est autre chose qu'avec Nadette. Non, c'est autre chose. Hein. Je vais vous dire, monsieur Bardu. Oui. Foutez-moi le camp. Pardon. Je vous dis à la bonne. Vous comprenez, avec tous vos interdits, vos tabous, là, vous avez laissé refroidir votre amour. Et vous allez chercher la chaleur ailleurs. Ça, je ne le veux pas. Ah, mais moi non plus. Mais moi non plus. Vous, chère petite madame, vous êtes en réel progrès. Ah bon, vous trouvez... Madame, ça boue. Oui, ça boue. Oh là, et ça va bouillir. Madame. Écoutez, cher monsieur Bardu. Oui, je suis cher Bricot. Pardon. Je suis sûre que vous n'avez jamais vu votre femme dans l'intimité autrement qu'en pyjama. Jamais. Oh, mais c'est affreux un pyjama, mon dur bagnard. Mais une femme, c'est une fleur. C'est une rose. Il lui faut les pétales. Voilà, madame. Eh bien, les voilà, les pétales. C'est le déshabillé le plus que j'ai jamais vu. Passez-le. Vous croyez? Pour me faire plaisir. Bon, d'accord. Allez. Je suis sûre qu'il lui va aussi bien qu'à Nadette, et peut-être même mieux. Oui,
Ah bon? Écoutez, madame, je... restons-en là, voulez-vous. Non, 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 restons-en là, restons-en là. Parce que si Nadette revient avec son ex-mari, son ex-mari, son mari, alors ils vont croire que j'abuse vraiment de leur hospitalité, hein. Si. Et puis avec tout ça, nous oublions votre cœur. Et ne vous occupez pas de mon cœur, occupez-vous plutôt du vôtre. Oh, ben ça... Ah! N'est-ce pas une rose épanouie? Oh, mais c'est le rosier tout entier, oui! Grimpant même! Voilà! Il faut que j'appelle ma maman, hein! Oh, il est mignon! Il appelle sa maman! On dirait vraiment qu'il court un danger! Enfin, mon chéri, je vais vraiment finir par croire que je vais fuir les hommes! Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout! Allez! Oh! Viens! Viens, monsieur Bardu! Oui! Là! Dans la chambre! La chambre! Tout de suite! Ah oh, oui! La chambre! Oh là là! Quel week-end! Allô! Ça y est, j'ai tout compris! Avec du faux, madame fait du vrai! Voilà! Dites-moi, ce matin, vous avez bien ouvert les rideaux de monsieur Madame Pardu? Ah oui, madame! Alors, allez voir s'ils les ont fermés! D'accord, madame, compris! Voilà! Tontine, oui, tu as repris connaissance? Oh, pleinement! Oh, mais qu'est-ce que je suis contente, tu m'as fait une de ces peurs! Oh, ma chérie! Tout ça à cause des inventions de cette pauvre folle! Ah non, mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore, celle-là? C'est... Je m'entraîne pour la fanfare! Voilà! Allez, mon petit, allez! Allez, coquine, mets-toi dans le jardin! Non, mais tu sais qu'elle est complètement cinglée. Ça, on te l'a assez répété. Oui, 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 j'ai eu tort de l'écouter, j'en conviens. Mais les Bardus ont su me détremper! Ah, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Où sont-ils? Dans la chambre. Ils ont été très gentils. Ah, ils sont très, très bien. Surtout lui, très. Il est aimable, complaisant, très, très, très affectueux. Tu vois, j'hésitais au début, mais vraiment, il gagne à être connu, monsieur Bardu. Eh, c'est vrai. Oui. J'ai comme une petite crampe parfois, alors je suis obligée de faire de l'exercice, mais ça me prend, mais au moment où je m'y attends moins. C'est... Non, ça ne va pas te faire ta piqûre quand même. Non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Par contre, je me reposerai volontiers. Tu sais quoi? Oui. Il fait un temps splendide. Je vais t'installer le lit relax dans le jardin. Très bien. Il est chez les Bardus, je vais te chercher. Chez les Bardus? Parfait, parfait. Madame? Oui. Il y a un monsieur dans votre chambre. Ah, oui, oui, oui. Celui-là, il est pour moi. Pour vous? Oui. Attention. Je le cache, il ne faut pas que les autres le voient. Alors ça, vous aussi, belle famille? Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Alors ça, c'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il y a? Les Bardus. Ouais. Leurs rideaux sont fermés. Ben, ils font la grasse matinée. Oh oui, et dans mon propre lit. Ah non, mais alors ça j'hallucine, hein. Enfin, c'est pas un crime. Après tout, eux aussi sont de récents mariés. Ah oh, ben, tout ce qu'il y a de récent, il est même pas 10 heures. Oh non, mais ça, j'ai tout de suite vu à qui j'avais affaire quand j'ai vu elle. Elle ne pense qu'à ça. Il lui faut un homme, n'importe lequel. Comme pas n'importe lequel, écoute. Enfin, ça aurait pu être aussi bien Bertrand, quoi. Et lui, quand j'y pense, un garçon pour être principe. Et bien, il y a pas. Et j'en ai un baiser en public. Et qui me fascine avec sa mère, le temps d'aller à la pharmacie du coin, et hop, avec la première venue. Mais je prends la première venue, c'est sa femme. Oui, oh là. Je dis, franchement, elle est tellement ordinaire hein, que c'est la première venue. Mais tu les trouvais si bien. Et je... Justement, je tombe de haut, hein. Ça, pauvre Bertrand, je le plains. Bertrand, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a horreur d'un certain sans-gêne, comme ça, d'un laisser-aller. Ah non, ça, je connais Bertrand, il ne pardonnera jamais ça à Paris. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça me reprend. Ça y est, ça me reprend. C'est la grande. Oh, mais ça fait mal, c'est le moment. Oh, attends. Oh, moi, j'entends la voiture de Bertrand. Je vais aller lui ouvrir. Oui, il va être content de savoir. Bien, maintenant, je vais te taper bien. Et ne lui dites pas ce qu'a fait Bardu. Non. Oui. Ah, Bardu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je me cachais. Eh bien, retournez-y. Non, mais vous avez repris la vie avec Bertrand? Oh oui, quelle vie. Non, mais et qu'est-ce que Bertrand ne me pardonnerait jamais? D'être là. Ah, Pierre-Ami, vous avez retrouvé une belle couleur. Oui. Oh, il y a des belles couleurs qu'elle a retrouvées. À toi, par contre, t'es toute pâle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Personne. Enfin, rien. Pierre, non. Je suis ravie. Pierre-Jem est en week-end à Deauville. Ah. On n'a pas idée d'être en week-end à Deauville, non? Tu sais que le dimanche à Paris, tu peux claquer. Ah, pardon, ma reine. Ah, mais non, mais c'est vrai, on peut claquer. Mais moi, c'était pas pour cette fois-ci. Parfait. Où sont les Bardus? Où est-ce qu'elle va avec cette casserole? Au wagon restaurant. C'est pour la bouillotte.
Quoi? Je ne veux plus de bouillotte. Non, mais une piqûre, oui. Ah, non, non. Alors, Nadette, tu as les ampoules, va préparer la seringue. Non, pas dans ton cabinet. Non, je veux pas de piqûre. Bon, d'accord, alors va dans la chambre de ma reine. Pas dans la chambre. Bon, bah alors, va à la cuisine et emmène-moi ça. Je veux plus la voir. Allez, va préparer ça à la cuisine. Marraine, j'espère que vous n'avez pas cru les divagations de cette folle. Oh, pas longtemps. Ah. Aussitôt que j'ai entrouvert les yeux, les Bardus me les ont ouverts complètement. Mais oui, ce sont de vrais amis. Ils ont trouvé les mots pour vous détromper. Oh, plus que les mots. Quand une femme embrasse un homme comme elle l'a fait, ça, on voit qu'elle est vraiment amoureuse de son mari. Mais naturellement. Quelle femme? Ben, Madame Bardu. Quel homme a-t-elle embrassé? Monsieur Bardu, tiens. Donc, Madame Bardu a embrassé donc... Un vrai baiser de cinéma. Devant vous? Ça, par exemple? Ça te choque? Non. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Tu me demandes? Un baiser pareil, ça appelait une suite. Ils sont dans ma chambre? Ben, tu leur as prêté. Ils font ça dans ma chambre? Enfin. Laetitia! Ça va bien, madame? Oh, ça va. Bon, alors, vous allez surveiller le monsieur dans la chambre. Eh, vous m'avez toujours pas dit qui c'est? Eh ben non, mais... Je le savais! Tout! Il lui faut tout! Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui ne va pas? Non, ça va. Oui, ça va. Ça va. Alors, vous, la folle, ça va! Dégagez-les-moi, allez! Viens, monsieur chef de garde! Mais enfin, mon petit Bertrand, qu'est-ce que t'en rugues? Il m'arrive ce qui n'aurait jamais dû arriver s'il ne lui pas arrivé. Mais j'ai fait quelque chose, moi? Mais non, pas vous, c'est votre cœur. Il va plus, il rebat. Alors mes nerfs lâchent, forcément. Pour un week-end réussi, c'est réussi. Bon, allez, je vais me reposer dans mon cabinet de travail parce que vraiment... Non, Bertrand, pas dans ton cabinet. Ah, vache, je veux dire, tu fais plus la piqûre? Si, ça me détend. Ah non, je ne fais pas de piqûre. Ah non, vous n'en êtes pas question. Tantine, qu'est-ce que c'est une piqûre à côté du reste? Là, bien, nous allons atterrir ici, je suis là. Tu as vu Bardu, c'est ça? Bardu, comme tu dis, ce petit salaud. Tu l'as vu, aussi? Oh oui, alors franchement, il ne manquait plus que ça. Dis-moi, j'espère que tu es fixé. Il faut le refouler. Et à coups de pied dans le... Non, mais pas dans Tantine. Non, tiens. Moi, il faut trouver quelque chose, mais quoi? Et je vais calmer. Hein? Non, mes canards, je tiens à vous dire que maintenant, je vais tout à fait bien. Bon, d'accord, alors la piqûre attendra, mais ce qui n'attendra pas, c'est Bardu. Chaque minute compte, n'est-ce pas la tête? Oui, mon minet. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait, Bardu? Comment ce qu'il a fait, Bardu? J'ai trouvé. Bardu! Oui! Enfin, Bertrand! Sa mère, voyons, sa mère! Oui. Il nous a s'enquiquiné avec sa mère, c'est le moment! Dans quel moment? De lui téléphoner! Lui qui est si ponctuel, il doit l'appeler à 10h! Et lui d'appeler sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend un soulier avec sa femme? Bardu! Oui! Ah! D'un coup, Bertrand, je comprends plus rien. Nanette, va le chercher! Ah, mais je peux pas, je tiens la porte! Marraine, allez chercher. Je peux pas, je tiens l'autre porte. Bon, écoutez, si vous ne voulez pas rentrer dans sa chambre, je sais pas, frappez, papa. Bon, alors si tu insistes, j'y vais. Bon. Monsieur, attends un peu, mon adjudant. Pourquoi est-ce que tu vas appeler Madame d'Orignac? Mais je fais semblant, mon ange, laisse-moi. Allô, mademoiselle, c'est qui, c'est la bonne? Oui, je vois pas là, Madame d'Orignac. D'Orignac? Oui, Madame Bardu, mère, s'est remariée. Avec un d'Orignac, des d'Orignac, des d'Orignac, en d'Orignac. Allô, Madame d'Orignac? Oui, je vous entends faiblement. C'est un médecin qui vous appelle, un ami de votre fils, le docteur Germina. Une mauvaise nuit? Mon Dieu, quel somnifère? Donnez-moi la marque. Somni d'Odorecta? Aïe! 15 cachets? Aïe, aïe, c'est maman? Tirez la lampe pour voir. Merde, elle est pas belle. Sol. Faites 33. Non, pas sur le cadran, faites 33. Là. Fermez un œil. Vous voyez plus grand chose, fermez l'autre. Ah oui, vous voyez plus rien, vous voyez plus rien. Noël, mon Dieu! Ça, c'est un empoisonnement avec barbiturique avec syndrome de Popov. Oh maman, passe là, passez-la moi. Oui, je vous passe votre fils. Il y a une sale tête lui aussi. Enfin, il transporte à Bupalais jusqu'en Touraine. Ne quittez pas, je vous le passe. Et ne nous quittez pas, chavala. Tenez. Maman! Ma petite maman! Courage, mon vieux, courage! Maman! Oui, courage! Maman! C'est... J'entends rien! Ah, mais elle est très faible, elle est très faible! Maman! Ma petite maman! On a coupé! Ah oui, mais ça, Sabine ne tenait qu'à un fil. Il vous appelle! Il vous a rappelé! Eh, avec vous, j'irai directement en Touraine parce qu'à l'heure où vous conduisez, vous allez arriver! Maman! Maman! Ah! Maman! Vous l'avez eu? Non, je ne l'ai pas eu. Non, fais peur, c'est imbécile. Madame! Monsieur parti! Mais oui! Mais non! Suis de la chambre! Oh, c'est l'heure de mes gouttes! Non, je reviens!
Maman, ma petite maman. Voilà, maman. Allez, hop, on tourne. Allons-y, allons-y. Assistez, assistez un peu. S'il insiste un peu, il va finir par l'avoir. Bon, bougez pas, je vous parle. Maintenant, l'autre, annule. Tu la fous tous les deux, c'est ça? Et comment? Tu as quelque chose contre? Ah non, pour. Parfait. Vous, vous aidez mademoiselle Denis à faire ses bagages, parce qu'elle nous quitte. Une femme doit suivre son mari, et son mari nous quitte... Déjà? Oui, madame Bardu est malade. Madame Bardu est malade. Quoi? Madame Bardu, mère, est malade. Oui, ne cherchez pas à comprendre. Allez, faire les valises. Allez, mais elle est bouchée, celle. Elle est bouchée. Tu peux pas savoir, Bardu, c'est enfermant. Je lui dis, madame Bardu, merde. C'est un... Bardu, ma mère est malade. Bardu, ma mère. Qu'est-ce que tu fais là, Bardu? Et ma mère, qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Elle a rien, ta mère. Mais si elle a téléphoné, elle est malade. Ma mère est malade. Il y a du chagrin, la petite Bardu. Oui, ma mère est malade. Elle a rien, ta mère. Et toi, tu ménages. Bardu, arrête de pleurer, tu te fais de la fête. Elle a rien, ta maman. Je ne ménage personne. Je ménage la tante parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Mais encore, où est-il? Si tu veux pas la tuer, cache-toi la tour. Pas, pas. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Ah, non, là, je cherche mon tricot. Allons, bon, un tricot. Oui, qu'est-ce que tu veux? Elle va siffler. Oui, elle siffle, elle pèse son tricot, elle tombe pas. Ah, peut-être dans ton cabinet. Oui? Oui, sûrement. Sûrement. Ah, non, sûrement pas. Quoi? Mais si, c'est très bien, c'est très bien. Bon, bah alors viens avec nous. Oui, c'est ça, on va trouver notre tricot. Toi, n'ayez pas peur, on va vous trouver notre tricot. Bertrand. Oui? Bardu? Chut! Mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Je croyais que Bertrand avait repris la vie avec Nadette. Oui, en fait, c'est et pas... Et Ricardo aussi? Hein? Ben non, pas tout à fait. Oh, mais tout ça, c'est de votre faute! Comment ça, c'est de ma faute? Hein? Elle cherche son tricot partout, mais dans le jardin! Une minute! C'est moi qui t'ai dit de quitter Dolly? Mais on s'en fout de Dolly, va cacher dans le jardin, ta somme! Oh! Matin, nous deux! Quoi? C'est toi qui as fait venir le vrai Bardu pour accélérer le divorce en tuant ma tante? Mais ça va pas, je viens juste de le découvrir! Alors qui c'est qui l'a fait venir, celui-là? Mais je fais rien, moi, mon piquet! Mon piquet? Y'a plus de piquet, espèce de gars, je suis au courant de tout! Je sais pas ce qui ça peut du malin. Je suis absolument navré de ce contretemps, mais votre belle maman est pas bien et vous partez vite la rejoindre avec votre mari. Ma belle maman? Oui. Avec mon mari? Oui. Oh, il m'a pas prévenu. Mais c'était pour vous ménager, cher petit malade. On ménage beaucoup les gens dans cette maison. Bertrand a raison. Accompagnez-le. Bon, alors, dans tout ça, moi, je ne sais toujours pas où est passé mon mari. Oui, bah, il n'est pas dans le jardin, vous avez regardé. Cher, cher ton. Bon, ben, je vous accompagne à tout, on cherche. Incroyable. Oh, c'est épouvantable, mon chéri. Bertrand sait tout. Pas possible. Oui. Mais j'espère que Nadette n'est pas au courant. Mais je sais pas, moi, genre. Nadette. Alors, vous tombez bien. Ah bon? Oh là, ça y est, elle est au courant. Espèce de salopard. Oh là. Alors, non seulement vous vous trompez avec ma première femme, mais avec ma deuxième? Dites donc, je suis votre fournisseur attitré. Mais non, mais je ne voulais pas, je voulais pas, moi. Ça a été atroce. Atroce? Oui, oui. Mais c'est ça, insulter ma maîtresse, maintenant. Mais non, mais elle était adorable. Adorable? Je t'en fous, elle est adorable, moi. Et alors, d'ailleurs, c'est de votre faute, tout ça. De ma faute? Mais oui. Hein? Oui, bah, il m'avait demandé de me faire passer pour Bardu. Oui. Oui. Eh ben, je me suis tellement mis dans la peau de votre Bardu que c'est pas votre maîtresse qui a été ma maîtresse, c'est madame Bardu. Nom de Dieu! Alors c'était quoi ma mère? C'était Gisèle! J'ai tout compris! C'est pas vrai. Mais d'où il sort ce forcenet? Eh ben c'est un client du dimanche matin. Le dimanche matin, ils sont tout le temps comme ça. Aidez-moi à le mettre sous le lit, parce que si jamais la porte le voit, il va lui faire une sacrée. Allez, voilà. On s'assoit, voyons, s'assoit. Ah ben vous avez l'air épuisé. Oui, parce qu'on bavardait et alors on s'échauffe, oui. Alors votre tricot, tantine? Ah ben j'ai toujours pas retourné, j'ai cherché partout. Derrière les rhododendrons, dans la brouette, bien. Et sous le lit? Mais non. Encore un tricot? Non, on n'a jamais vu un tricot sous un lit. On a vu des feuilles, des briquets, des cigarettes, mais pas un tricot. Non, on va le chercher, nous. C'est vraiment un mystère, je n'ai jamais perdu autant de mailles à la fois. C'est fini? Non, mais je rêve là! Alors, moi, je suis en train de me battre avec l'autre.
autre imbécile. Et moi, je te trouve à quatre pattes en train de faire des pâtés avec l'autre. N'en fais pas des pâtés. On cherche le tricot de Tantine. Alors dis-moi, elle est jolie, la future Madame Germina. Tu l'as trouvée où exactement? Dans une poubelle? Continue! Continue! La future Madame Germina, c'était donc ça? Vous m'avez bien eu, le petit salopard! Comment? Mais moi, seul l'amour m'intéresse. Alors si vous ne vous aimez plus, divorcez! Quoi? Quoi? Si vous ne divorcez pas, moi je... Oh! Ah, Tantine, arrête! Ah si, on l'a eu! La piqûre! Ah oui! La piqûre! La piqûre, c'est vrai, la piqûre! Elle... Mais c'est pas vrai, maintenant c'est elle qui me comporte! Oh, ça c'est énorme, hein! Dis, et pour me faire épouser qui? Une petite grue! Et moi, cette espèce de grand serin? Eh ben, je suis désolé, Tantine! Désolé pour votre cœur, mais vous nous avez mariés, vous ne nous divorcerez pas! Vous ne nous divorcerez pas! Vous ne nous divorcerez pas! Un peu calme-toi, mon amour! Mon trésor. Oh, tant pis, mon chéri, on va leur dire. Pardonnez-moi, Nadette, mais c'est Dolly que je présenterai à maman. Vous êtes tout pardonné, Hubert. Désolé, mon piquet, mais t'as jamais aimé qu'une seule femme la tienne. C'est bien vrai, ça. Ah, je m'étais donné 3 jours, j'y suis arrivée en un seul. J'ai fait vite, hein, monsieur Dorignac. Oh, Dorignac, tu le savais, je sais tout. Quand je vous disais que ma tante était une femme formidable... Oh, dites, mais elle était pas tante. J'ai une petite surprise pour vous, par moi aussi. Non, non, moi. Si, toi d'abord. Oh, c'est la mienne. Pardu. Pardu. Qu'est-ce qu'il a par ici, non? Pardu. Pardu. Mais quelque chose. Mais c'est vous, docteur. Ah oui, c'est moi, c'est moi. Oh, va, fais chercher le train. Fais chercher les ampoules. Fais chercher le bouillotte. Pardu. Dorignac, oui, faites-lui du bouche à bouche. Oh non, pas le bouche à bouche. Bon, je m'en charge. La semaine dernière, j'en ai fait un babouin, ça a très bien marché. Parfait, laissez-la faire ainsi. Dis donc, oui. Vous avez donné une grande fête samedi prochain, j'espère que vous serez vélo. Alors là, certainement pas. Oh si, Dorignac, vous serez mon témoin. Votre témoin? Oui, j'épouse ma femme.